La compétence est le truc le moins important. Philippe, ça peut vous paraître très bizarre, c'est important, mais c'est vraiment le truc le moins important. C'est vraiment mon objectif depuis que j'ai commencé l'hypnose. J'ai trouvé les techniques les plus rapides qui existent pour que, le plus rapidement possible, quelqu'un qui n'est pas hypnotisé, je l'hypnotise. Quand tu fais des vidéos sur les réseaux, sur TikTok, etc., tu balances une vidéo, tu sais absolument pas si ça va marcher ou pas. J'en ai aucune idée, parce qu'en fait, il y a plein de fois où ça marche, et puis d'autres fois où ça marche pas, et alors qu'à la base, je pensais que ça allait fonctionner. Quoi. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Cette fois-ci, on est sur une interview, on reprend les interviews avec un invité, Haïm H. Haïm H, il est hypnotiseur de rue, hypnotiseur rapide, voire très rapide. Il est aussi formateur, il a fait du cabinet un petit peu de son côté. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette chez lui, c'est qu'il s'est beaucoup développé avec les réseaux. Il est plutôt connu, on va dire, du grand public. Et ce qui est très différent finalement des gens qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que nous, sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, on est tous dans les mêmes groupes. On est tous dans les mêmes groupes Facebook, on connaît les mêmes personnes. On est un peu dans un cercle fermé, suivant l'école d'où on vient. Mais en tout cas, on est dans des cercles assez fermés. Et je trouvais que là, on sortait complètement de ce cercle-là, de l'hypnothérapie, pour aller vers quelque chose de plus ludique, de quelqu'un qui traîne pas dans ces cercles-là et donc qui a sûrement d'autres choses à apporter. Et vu la discussion qu'on a eue, qui a d'autres choses, en effet, à apporter à notre milieu. Cet enregistrement, il devait être en vidéo, mais j'ai fait du grand moi. Pour la petite histoire, quand j'étais en formation de coaching, il y a maintenant 7 ou 8 ans à peu près, on avait des vidéos à faire. C'était des vidéos on avait 5 ou 6 vidéos, je crois, à faire avec des clients. C'était gratuit, c'était pour nous entraîner. Il fallait qu'on fasse des vidéos et qu'on envoie ces vidéos à nos superviseurs. Et il y a certaines vidéos qui étaient envoyées à tous les autres élèves. Et donc, on se faisait superviser sur cette vidéo. Et les autres élèves devaient analyser la vidéo de leur côté pour trouver les patterns, les machins. Bon, bref, c'était un gros truc à faire. Notre RNCP dépendait de ça, puisqu'on avait un mémoire à finir, et il y avait une partie du mémoire qui était uniquement sur ces vidéos-là, et l'évolution qu'on avait avec les vidéos, c'était un cadre très très strict. Il fallait que ce soit une heure tout pile, il fallait qu'on nous voit le client et le coach, il fallait qu'on voit les deux sur l'écran. Bon, c'était assez strict. Et donc, la première vidéo, ok pour moi, je l'ai envoyée parce que j'aime bien réussir les trucs du premier coup, et puis alors toutes les autres, je les ai foirées. Et c'est ce qui a failli me faire louper le RNCP. J'ai dû repasser quelque chose après, puisque j'avais foiré toutes mes vidéos, c'est-à-dire que où j'étais pas dans le cadre, où on m'entendait pas, où je faisais de la merde dessus, bref, le côté vidéo m'a complètement stressée, et de façon inconsciente, entre guillemets, j'ai foiré la technique. Vous me voyez venir? Là, c'était la première fois que je pouvais enregistrer avec quelqu'un en physique, c'est-à-dire qu'on s'est vu sur Lyon. J'en profite pour remercier Chris de la chaîne YouTube Poisson Fécond qui nous a prêté ses bureaux pour qu'on puisse enregistrer. Et on s'est vu sur Lyon. Alors j'étais là avec mon petit matos à l'arrache, en fait, hein, clairement, et deux téléphones, des trépieds qui étaient pas de la même hauteur, enfin un bazar monumental. En mode j'y connais rien, mais je me lance, quoi. On sait jamais, ça peut faire une vidéo sympa, ça peut être cool, ça peut changer. Et puis c'est cool de changer. Je vois bien que sur YouTube, quand il y a les vidéos, il y a plus de vues et que les gens sont. C'est plus agréable à suivre. Et bien évidemment, Haïm a été absolument adorable puisque lui qui est habitué des vidéos m'a beaucoup aidé à mettre en place tout le bazar. J'avais les micros, j'avais tout. Et je n'ai plus que la vidéo d'Haïm puisque la vidéo qui était sur moi s'est coupée au bout de 20 minutes. Et donc sur les 1h20 de podcast qu'on a enregistré, il n'y a que 20 minutes où on voit ma tronche. Donc je ne peux pas monter en vidéo un truc où en fait Haïm me regarde plus moi on me voit jamais, enfin ça fait une vie, en plus si malheureusement la vidéo qui était sur lui n'était pas le meilleur téléphone, donc elle est pas folle non plus, bref, plutôt que de partir dans des délires de montage où j'allais me prendre la tête, eh bien j'ai préféré rester en audio pour cette fois-ci, mais je ne perds pas espoir, je pense réussir à un moment à faire des vidéos de podcast et peut-être même qu'on refera une vidéo avec Haïm sous la torture, je l'obligerai à refaire une vidéo sur autre chose. Mais donc voilà, pour le coup, échec de ma part, comme vous le voyez, comme vous l'entendez en tout cas, ça, pas de problème pour moi, ça m'arrange quelque part même de pas être en vidéo, parce que les 20 minutes que j'ai vues sur ma tronche, je fais oula, et ben tant mieux. Donc
toute cette grosse intro pour dire que Haïm est un personnage particulier d'hypnose et j'ai vraiment beaucoup aimé discuter avec lui, qu'il n'y aura pas de vidéo. Alors, en même temps, d'habitude, vous avez l'habitude d'avoir des audios. Donc, mais qu'à un moment, ça viendra, les vidéos. Pour ce qui est des notes du podcast, j'ai encore fait un petit fichier donc, que vous trouverez dans la description. Dans ce petit fichier, à un moment, on a parlé d'IA dans le podcast à la fin. Et je suis en train, moi, de faire pas mal de recherches, d'apprendre vraiment à essayer de m'en servir. Et donc, du coup, je suis en train de faire une mind map dessus. Donc, c'est une mind map qui n'est pas complète, qui est en cours. Mais je me suis dit qu'elle pouvait peut-être vous servir. Donc, dans les notes du podcast, il y a cette mind map. Cette mind map, elle est visualisable sur le logiciel Xmind. Vu qu'elle n'est pas finie, je ne l'ai pas mis en PDF, tout ça. Donc, il faut télécharger le logiciel Xmind, qui est gratuit, voilà, etc. Qui permet de faire des mind maps assez facilement. Je vous mets aussi le lien du téléchargement du logiciel. Et j'en profite dans l'intro pour dire... N'hésitez pas, partagez vraiment le podcast, ça nous aide beaucoup, nous, qu'il soit partagé. Je sais qu'il faut le redire, qu'on n'y pense pas en fait à partager un truc qui nous a plu, mais partagez, commentez, likez, dites-nous que c'était pas top, que c'était top, que voilà, mettez des étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, ça nous aide à le faire connaître, et là, notre but à la fin de l'année, c'est vraiment de faire connaître plus le podcast. Donc merci d'avance à tous ceux qui pourront nous donner un coup de main. C'est bon, j'ai fini. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Salut Haïm. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre en podcast vidéo. Ça y est, c'est ma première fois. Waouh. Moi aussi. Non. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Mensonge. Ok, moi j'avais à cœur de t'avoir en podcast parce que dans le monde de l'hypnose, tu es un peu différent du reste du monde. Dans le sens où, en tout cas, dans tout ce qui est thérapie, accompagnement, cabinet, on se prend beaucoup la tête sur plein de trucs. On est beaucoup sur les réseaux, des choses comme ça. Et toi, tu as fait ton trou de ton côté en faisant de l'hypnose rapide, voire très rapide, voire extrêmement rapide. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as eu un cabinet à un moment. Je n'avais pas un cabinet physique, mais oui, j'ai déjà fait de la thérapie pendant 2-3 ans avec des clients. Ouais. Et du coup, ça m'intéressait de voir déjà, un, toi, comment tu vois l'hypnose. Tout ton intérêt aussi pour la conscience. Et en deux, ton parcours d'entrepreneur aussi, à travers ça, parce que tu sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui galère à faire tourner un cabinet, à se faire connaître, etc. Et toi, tu t'es bien fait connaître quand même, ce qui est quand même assez cool. Grâce au réseau. Grâce au réseau, ouais. Avec plaisir, je suis prêt à recevoir l'entièreté de tes questions. Alors, comment ça a commencé pour toi, l'hypnose, la découverte? L'hypnose, ça a commencé quand j'avais 14 ans, si je te dis. Ouais, 14 ans. C'est un truc que je répète tout le temps en plus. Mais oui, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'étais hyper jeune et j'ai appris, comme beaucoup, je pense, via des méthodes d'hypnose de rue à l'époque. C'était assez populaire. Grâce à notamment Jean-Emmanuel Combes qui a ramené ça un petit peu en France. Je pense que avec son livre. Avec son livre. En fait, c'est le livre que j'ai lu. Mais à la base, c'est pas comme ça. À la base, j'avais rencontré un hypnotiseur qui faisait ça dans la rue. Moi, j'y croyais pas du tout. Je me baladais avec des amis. Et en fait, il hypnotisait tous mes potes. Donc, il y a des amis, pas par terre, parce qu'à l'époque, c'était mal vu de mettre les gens par terre. Alors je te rassure, c'était toujours. Non mais un peu moins, les mentalités elles changent. Mais à l'époque c'était pire qu'aujourd'hui. À l'époque vraiment mettre quelqu'un par terre, surtout dans la rue, c'était. C'était à faire pire quoi. C'était vraiment, tu sais, les mecs qui venaient vers toi comme ça, ils faisaient. Arrête, je suis une de ces personnes qui fait comme ça. Ah non. À l'époque c'était pire. C'était pire, d'accord. C'était pire. Merde, Satan. Rien que d'évoquer le fait que. Bref. Ouais, c'était l'enfer. Du coup ils faisaient juste des injections sur des bancs quoi, et ils hypnotisaient tous mes potes. Et c'était fou quoi. Je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc là j'ai commencé à y croire, là, j'ai changé mon point de vue. Il m'a partagé du coup la voix de l'inconscient. Est-ce qu'il t'a toi hypnotisé ou... Non, moi j'étais bloqué, j'étais trop impressionné. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Donc je me laissais pas faire, je voulais voir absolument chaque seconde de sa prestation quoi. T'as découpé quoi. Ouais c'est ça. Et je pense que ça m'a un peu éveillé la flamme tu vois, de la passion. Et le lendemain, j'ai acheté le livre. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, j'étais à peine étudiant, quoi. J'avais 14 ans. Donc je sais pas, j'ai négocié avec un pote, nos parents ils nous ont filé chacun la moitié du livre, parce qu'à l'époque il coûtait un peu cher. Et je l'ai lu en une heure et j'ai commencé à tester, à pratiquer quoi, directement. Et après dans la rue quoi. Direct. Okay. Un mois plus tard quoi. Genre action immédiate. J'étais jeune. Hein, tu te poses pas trop de questions quoi. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Parce que c'est surtout en hypnose. Bah ouais, parce qu'on voit, enfin, moi pour avoir formé pas mal d'hypnos, c'est vrai que le truc qui bloque le plus souvent, c'est mettre les gens en transe en fait.
Ouais. Ce qui est dommage pour un hypno. Ce qui est dommage, mais après, je te dirais que c'est souvent les hypnos qui mettent leurs propres barrières. Hein. Si j'ai réussi à l'âge de 14 ans, je ne suis pas le seul exemple, il y en a plein, c'est que vraiment, ce n'est pas si compliqué que ça. Quoi. Ouais. Enfin, si tu dis que ça va l'être, oui, ça va l'être. Mais... Après, on n'apprend pas non plus dans les écoles vraiment les trans rapides. Tu sais, on est beaucoup plus encore. Ça commence à, pareil, à se décoincer un peu, mais on est quand même encore sur des inductions très lentes et peut-être que tranquille, machin. Complètement, ouais. Alors à l'époque, c'était. Alors déjà, avec mettre des gens. Les mises au sol, c'était mal vu, mais l'hypnose rapide, c'était un peu la même chose. Quoi. Ouais. C'était seulement pour du ludique. C'était pas acceptable de faire. Ouais, je dis acceptable, mais à l'époque, en gros, on me disait que c'était dangereux de faire de la rapide, de l'hypnose rapide, en fait, pour aider, pour accompagner. En cabinet, tu veux dire, ouais, pour accompagner. En cabinet. Ouais. Alors que finalement, c'est une mise en transe. Oui, c'est après ce que t'en fais, on s'en fout. Quoi, c'est le même résultat qu'on recherche dans les deux cas. Quoi. Mais bon, on y reviendra. Ouais. Donc, toi, t'as commencé donc, tôt. Mm-hmm. Ensuite, comment ça s'est passé pour toi? T'as continué dans la rue, t'as fait de plus en plus de street comme... Alors, j'essaie de me remémorer, j'ai une très mauvaise mémoire. À peu près. À peu près. Bah, alors, du coup, j'allais dans la rue. À mon souvenir, à l'époque, j'allais. En fait, je voulais sécher les cours pour aller hypnotiser dans la rue. Donc, j'y allais 3 fois par semaine, quoi. J'allais tout le temps hypnotiser dans la rue. Donc, si vous habitiez à Amiens. À l'époque, en 2000, je sais pas, il y a 12 ans, quoi, il y a 12 ans, ou il y a plutôt il y a 11 ans, 10, 11 ans, ben en fait, j'étais dans la rue le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, dès que je pouvais, en fait, je sortais hypnotisé, quoi. En gros. Ah, putain, ça te passionnait. Ouais, et à l'époque, c'était dingue, parce qu'à l'époque, il suffisait juste qu'il y ait quelqu'un au milieu de la rue comme ça, et ça faisait une foule de gens, il y avait 300 personnes. Parfois, qui nous regardaient, ça faisait parce qu'on était à plusieurs hypnotiseurs, parce qu'après, j'apprenais l'hypnose à mes potes. Donc après, on sortait évidemment. Et en fait, on était tout le long de la rue, et il y avait une foule de gens, il y avait les flics qui passaient parfois, enfin, c'était un délire, quoi. Aujourd'hui, c'est aussi possible de faire des foules de gens, on y arrive toujours, mais on fait un petit peu plus, quoi. Ouais, voilà, la dernière fois que je suis partie dans la rue pour hypnotiser, c'était suite à une formation, machin. Mmh. Et c'est vrai que c'était à Paris, à Beaubourg. Ouais. Et ça ne s'arrête pas de fou non plus. Il fallait plus aller chercher les gens. Juste ils s'arrêtent et ils regardent et du coup on discute et non ça se faisait moins. Les gens sont habitués maintenant, tu vois, maintenant justement faut aller un peu plus loin pour qu'ils s'arrêtent. Tu fais une mise au sol par contre, les gens s'arrêtent. Là ils te prennent un peu au sérieux, tu vois. Et alors si tu mets entre deux chaises et que tu montes dessus. Ouais. Banco. Là c'est bon, ça j'ai jamais fait mais bon. Il y a pas besoin d'hypnose pour faire ça d'ailleurs. Oui. C'est un truc qu'on peut faire. Mais ça fait impressionnant. C'est sûr, c'est pour ça que c'est encore utilisé beaucoup en spectacle aujourd'hui. Quoi. Ok, donc pratique, à fond avec des potes et tout. Mmh. À un moment, qu'est-ce qui s'est passé? T'as voulu en faire une profession ou ça s'est fait petit à petit comme ça? En fait, à l'époque, moi, je voulais devenir dessinateur de BD. Rien à voir. Bah, rien à voir. J'avais mon meilleur pote qui était. Il était déjà bien dans la vie active. Et il était, en fait, il était prof de dessin et dessinateur. Il avait créé plusieurs BD. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré. Je voulais devenir dessinateur. Mais en fait, au bout d'un moment, l'hypnose a pris le dessus dessus. A pris le dessus là-dessus, effectivement. Okay. C'est le même mot. Et du coup, disons que j'ai voulu en faire mon métier par la suite. Quoi. Sachant que, je pense que j'étais clairement inemployable à l'époque, comme aujourd'hui. Je pense que personne ne peut m'employer aujourd'hui. Je connais ce problème. Donc, de très mauvais employés. J'ai dû tracer ma voie par moi-même, on va dire. Ouais. Et à un moment, tu as voulu faire un cabinet de thérapie ou vraiment pour toi, c'était la street le... Je voulais pas avoir un cabinet de thérapie physique. J'ai jamais aimé les... T'enfermer dans un... Pour moi, en tout cas. Ouais, m'enfermer dans un truc. J'avais des amis, des amis psychologues, etc. Il y avait un cabinet. Et quand je voyais toutes les charges, machin, les trucs à gérer... Ouais. Il y a des gens qui peuvent adorer ça, je peux comprendre, d'avoir son petit lieu où tu tous les jours, t'y vas, etc. Moi, j'aime bien avoir la liberté de me dire, je peux aller où je veux, j'ai juste besoin d'un ordinateur ou juste de moi, de me balader d'endroit à endroit pour travailler, de ne pas avoir un endroit physique dans lequel je vais exercer, par exemple, pendant 10 ans, etc. C'est pas mon truc, quoi. Quand je pratiquais des accompagnements en thérapie, c'était une sorte de forfait. Que les personnes que je coachais me payaient, tout simplement. Et en fait, moi, soit je louais un cabinet pour la journée ou pour l'après-midi, soit du coup, je les retrouvais chez eux s'ils préféraient que ce soit chez eux, etc. Bref, il y a vraiment moyen de s'arranger entre eux.
Mais carrément, quand on débute. Surtout quand on commence. Mais même quand on est un peu plus avancé. C'est vrai. On n'est pas obligé d'avoir, d'avoir un cabinet, quoi. Ouais, moi je crois que j'ai tenu un an avec un cabinet sur 8 ans. Ah ouais, t'as pas de cabinet non plus ? Non. Tu fais ça à la maison aussi ? Bah là, je fais tout en Zoom ou presque. Bah tu vois, ouais. Déjà. Parce que j'ai le même truc de liberté que toi. Je veux pouvoir me barrer et dire. Bah ouais, tu vois. En fait, c'est possible d'hypnotiser à distance, c'est possible, il suffit juste de pouvoir communiquer, quoi. C'est ça. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi s'encombrer, entre guillemets, avec un cabinet si on n'en a pas envie ? Mais d'un autre côté, quand t'as un cabinet, tu peux quand même créer des process pour que ce soit hyper optimisé le fait que tu amènes quelqu'un en hypnose. Ça, c'est vraiment un truc, en fait, quand t'as pas de cabinet, tu mets une croix dessus, quoi. Tout ce processus où la personne arrive dans un cabinet, tu l'accueilles, tu peux aussi le décorer d'une certaine manière pour que ça l'emmène déjà en hypnose à peine la personne, elle a franchi le palier de ton cabinet. Ça, tu pourras pas le faire si t'en as pas, quoi. Tu mets un fond d'écran Zoom pourri. C'est on ça, sait voilà. jamais. Ça peut c'est marcher. Ça, par exemple. Mais non, t'as raison, j'ai vu des cabinets d'hypno hyper... Alors, pas du tout dans le cabinet cosy-cosy Ikea, mais vraiment des trucs, tu te dis, mais dans quoi je rentre, en fait ? Ben ouais, tu vois. Et c'est génial de faire un truc comme ça. C'est hypnotique, quoi. T'arrives, tu t'es déjà dedans, quoi. Ouais. J'avais une amie aussi, elle avait un cabinet, quand tu rentrais, t'avais une odeur d'encens et tout, t'avais une petite musique, t'étais déjà parti, quoi. Mm. Donc ouais, ça, tu peux pas jouer là-dessus. Après, t'as d'autres, il y a d'autres biais sur lesquels tu peux jouer quand t'es en ligne. Hein. Déjà. Du genre, tu peux leur dire de regarder des vidéos en amont, tu peux leur... C'est vrai, envoyer des audios. Envoyer des audios. Qui s'habituent déjà à ta voix ou des choses comme ça. Ouais, tu peux... Je pense qu'il y a... Ouais, même pas je pense. Je suis sûr que même en ligne, puisque pour l'avoir déjà fait, t'as plein de petits trucs quand même sur lesquels tu peux jouer pour rendre le truc aussi petit que possible. Faut pas oublier que l'hypnose, c'est quand même très contextuel, quoi. Mmh. Le contexte joue énormément. C'est vrai qu'on n'appuie pas beaucoup là-dessus. C'est en train de partir rien à voir avec les feuilles. Hein. Ah, rien à voir, mais ouais, j'adore normal. Les digressions. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais ouais, l'hypnose... Mais on parle pas beaucoup du contexte et de comment créer un contexte hyper favorable qui va faire que en fait, ça va passer très vite et que les suggestions vont passer très vite. Quoi. Moi, j'en parle beaucoup. Dans ta formation. C'est de la grosse pub. J'ai pris en otage ton podcast. J'adore. Je mettrai un gros truc pub à côté. Tu sais, en montage. Mais il y a un truc que moi, j'appelle les contextes hyper hypnotiques. C'est des contextes dans lesquels tu rentres. Et à peine t'es rentré dans ce contexte, t'es déjà hypnotisé. C'est ce que fait par exemple, c'est ce que font d'ailleurs tous les hypnotiseurs qu'on suit là, j'y pense. Mesmer par exemple, lui il sait faire des contextes hyper hypnotiques. Dans son spectacle là, incroyable. Dans sa salle de spectacle, il te met dans un contexte, il te montre des vidéos avant, etc. Ça va vite en plus, il y a de la musique, il y a du son, il y a du bruit. Moi j'étais déjà en transe avant d'avoir commencé le spectacle, j'étais ok. C'est bon. Mais tu vois, on peut aussi parler de les cabinets publics de Kevin Finel, c'est la même chose. Totalement. C'est comme de l'hypnose de spectacle, hein. C'est juste que là c'est tourné thérapie. Et il se met sur scène, il y a plein de gens qui le regardent, les gens s'attendent à se faire hypnotiser. Je ne sais pas ce qu'il dit au début, je n'y suis jamais allé. La seule fois où j'ai pris une place pour un cabinet public, en fait, ils ont annulé les places la veille. Dommage. Du coup, je ne suis pas allé. Du coup, je n'ai pas pu analyser le contexte vraiment, mais quand tu vois les vidéos, en tout cas, t'imagines, tu es dans une salle, il y a plein de monde, tout le monde le regarde en plein milieu, te regarde te faire hypnotiser aussi en plein milieu d'une scène. C'est un contexte hyper hypnotique. Ouais. Et puis, c'est toujours le même... Pour le coup, il y a toujours les. Alors, je regarde nos tabourets là, mais il y a toujours les deux mêmes tabourets, enfin des tabourets hauts. Donc, on est habitué. En plus, les cabinets publics, on en a vu masse maintenant sur YouTube. Si t'es habitué en plus à regarder les cabinets publics. Il y a plein d'hypnos qui vont voir les cabinets publics. Ouais, mais alors là, c'est bon. Là, c'est banco. À peine t'as acheté ton billet que t'es déjà rendu. C'est ça. Et puis, t'as les biais d'autorité du fait que toi, t'es sur scène. C'est comme quand on est formateur. Mais quand on est formateur, mais tout passe. Oui, complètement. C'est la folie. Pas du tout en cabinet. Hein. C'est dingue. Ouais. Quand t'es formateur aussi, quand tu es. En fait, c'est pareil que quand... Oui, c'est ça, c'est quand t'es professeur. Moi, j'ai déjà donné un cours d'hypnose, mais alors rien à voir à des infirmiers, en école d'infirmiers. Et j'hypnotisais même pas des gens. Et parfois, je parlais, il y en a un qui tombait. Mais alors que j'avais pas fait d'hypnose. Hein. C'est ouf. Et il y en a qui tombait, quoi. Il y en a qui se sentaient pas bien. Et alors, je m'en souviens, c'était vraiment choquant. C'est là que je me suis dit que vraiment être professeur, globalement, ça te donne un pouvoir qui est colossal. Je donnais mon cours à des infirmiers. Je leur parlais, mais vraiment pas encore d'hypnose, j'avais pas fait de démonstration ou quoi que ce soit. Et t'en as un qui se lève et qui se met à pleurer, quoi. En fait, il fait une sorte d'abréaction, alors que je n'ai pas hypnotisé. Donc là, j'ai dû l'hypnotiser. Alors, il est parti tout de suite, j'ai dû l'hypnotiser, j'ai stoppé le truc, etc. Après, il allait bien mieux, mais ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, je suis juste un prof, quoi. En fait, oui, quand t'es professeur, notamment avec des étudiants, etc., t'as un pouvoir sur les élèves. Incroyable. C'est incroyable. Que je pense que nous, on a aussi en accompagnement en cabinet un peu moindre, parce qu'on est d'adulte à adulte aussi, et qu'il y a des choses
mais on a quand même, ils nous mettent quand même dans cette posture de sachant. Ouais. Tout dépend le rapport que tu as avec la personne. Ouais. Quand tu as une, parce que je sais pas, je pense que tu as eu des clients comme ça. Toi, tu préfères dire patient ou client? Ah, alors je vais être, moi je suis la casse-couille. C'est quoi là? C'est client. Client, client, parce que patient, ouais, c'est ouais, médical. Ouais, je trouve aussi. Enfin, je suis d'avis de dire client aussi. Hein. Et du coup, bah, quand tu as un client en face de toi, qui, je pense que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui est hyper en contradiction, tu sais, qui n'arrivera pas à m'hypnotiser. C'est insupportable. Ouais, ça va dépendre. Mais le défi, quoi. Ouais. C'est rigolo d'ailleurs apprendre à gérer ce genre de personnes aussi. Comment tu fais toi pour les gérer? Alors moi, je ne les gère pas. Ah, d'accord, tu les gères. Mais non, parce que moi, j'ai l'avantage de ne pas être hypno à la base. Je suis coach. Donc en fait, pour moi, l'hypnose, c'est un truc que je mets dedans, dans un suivi de coaching, mais pas, pas directement. Non, quoi. J'ai pas jamais eu une plaque hypnopraticienne ou hypnothérapeute. Ou, okay. Ça m'a jamais éclaté assez la passion de l'hypnose pour faire pour ça. Pour vraiment faire ça. Ouais, pour faire que ça, en fait, toute la journée. Je comprends. Après, tu vois, l'hypnose, c'est de la psycho, quoi. Ouais. Je pense qu'on fait pas que l'hypnose quand on est hypnotiseur. Enfin, ce serait bizarre, quoi. Non. J'espère au moins qu'on fait que ça. Parce que si c'est mettre en transe, phénomène hypnotique, retour, ouais, bon. On peut se faire chier quand même. Après, t'en as, peut-être qu'ils font ça. Je sais peut-être, pas. C'est les puristes de l'hypnose. Ouais, peut-être. Il y en a. Donc alors, nous avons discuté, parce qu'à la base, quand même, mon idée, c'était de faire un truc genre voyage du héros, tu vois. Ok, avec des étapes. Tu vas pas y arriver avec moi. Non. Il y a aucune étape, c'est... C'est bon. À l'image de mes cheveux. Et voilà. Ok, donc, pas de cabinet précis, ouais. Vraiment comme tu as envie, quoi. Et beaucoup sur l'hypnose rapide, voire ouais. Ultra rapide. Alors, pas à l'époque, hein, c'est pas arrivé comme ça. Hein. Ok. À l'époque, ça moi, j'étais, du temps, moi j'ai cru tout ce qu'on m'a dit. Hein. J'étais en mode, bon, ok, pas d'hypnose rapide pour okay. De la thérapie. Parce que tu t'es formé en thérapie, du coup Ah ouais, je me suis formé en thérapie. J'en souviens, la première formation que j'ai faite, c'était en Belgique. Je vais pas citer de nom. C'était en Belgique avec un grand hypnotiseur belge, soi-disant, qui passait à la télé, machin. Donc j'y vais. Et en fait, ça m'a dégoûté. Merde. Non, mais c'était horrible. C'est-à-dire que j'ai payé, bon, voilà, je ne vais pas dire combien, si je peux le dire, j'ai payé plus de 1000 euros, 1500 euros avec les frais, etc. La formation, je vais là-bas, je suis la formation, c'est des trucs que, alors, on a passé une journée complète à parler de l'histoire de l'hypnose. Mais Google existe. Je m'en fous de l'histoire de l'hypnose, putain. Alors maintenant, il y a ChatGPT en plus, un peu plus rapide. Génie, ChatGPT, voilà. Bref. Une journée entière sur l'histoire de l'hypnose, deuxième jour, on parle un peu de pratique, mais c'est des trucs que je connais déjà, genre... Le gars nous explique que c'est qu'une induction, quoi. En plus, il explique mal. Enfin bref, c'était horrible. Et puis, troisième jour, un peu de pratique, mais vraiment des trucs... on aurait dit de la relaxation. Ouais. Oui, bah habituel. Voilà. Et puis derrière, alors, il détestait l'hypnose rapide. Pour lui, c'était un truc à abolir par-dessus tout parce que c'était dangereux pour les personnes. Bah, en fait, pour les clients, quoi. Enfin, pour les patients, lui, il était psychiatre. Donc, il l'expliquait. Un peu de courant, là. Il l'expliquait, cette dangerosité pour lui ou... Alors, c'était quand juste je posais des questions, c'était non, c'est dangereux. Ok. Alors, et d'ailleurs, il y avait une contradiction, il n'a pas su me répondre parce que ces gens disaient, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient d'accord avec lui quand même, ils nous disaient que c'était quand même dangereux de pratiquer l'hypnose rapide parce que ça pouvait créer des changements trop rapides, etc. C'était soi-disant leur. Et qu'on ne pouvait pas contrôler. Mais de l'autre côté, il disait que c'était moins puissant que l'hypnose progressive parce qu'on ne pouvait pas créer des changements sur le long terme. Oui, d'accord. Et du coup, quand je lui ai dit ça, il m'a dit... Ben, en fait, il ne m'a pas répondu. Quoi. Il a bugué. Et alors, bon, alors pour lui, l'hypnose de Roy, c'était encore pire. Et bref, du coup, alors, le plus drôle, c'est qu'à la fin de cette formation, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a fait une sorte de tour, en fait, où il a fait le test des doigts aimantés à tout le monde. Mmh. Je me dis, mais attends, il se fout de notre gueule là, il nous a parlé de l'hypnose rapide. C'est de la merde! Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, il nous fait ça à tout le monde. Bon, en fait, il le fait assez mal. Donc, la réalité, c'est qu'il y avait à peu près 150 personnes dans la salle. Peut-être 100 personnes, pardon, pas 150. On était beaucoup. Oui, nombreux là. On était très nombreux. Il y avait en fait, il avait prouvé ça à ses étudiants, je pense. On était nombreux. Et du coup, je pense pas qu'on ait payé tous aussi cher. Non, bah non. Bah, non. Sinon oui. C'est bien hein, c'était, pour lui. C'était les gens qui étaient hors université qui payaient le prix fort, je pense. Ce qui était mon cas. Et du coup, il nous faisait le test, etc. Enfin, il nous a fait le test. Il y a une personne qui est montée sur scène. Puis il a fait une induction rapide, mais timide, quoi. C'est-à-dire qu'il tremblait dans la voix. C'était très dur pour lui, quoi. C'était un moment très compliqué.
Et c'est comme ça qu'il a terminé sa formation. Juste après, il nous a fait une petite publicité quand même pour la formation supérieure. Et du coup, c'est comme ça qu'il a fini son truc, quoi. Et je me suis dit, mais attends, j'ai fait 3 jours de formation pour ça. Et donc là, j'avoue, j'ai commencé à faire tilt. Mais par la suite, je me suis vraiment formé un peu plus. J'ai lu des bouquins, etc. Mmh. Et le truc qui m'a vraiment fait bugger, c'est une expérience que j'avais vécue dans la rue, du coup, dans un parc. Enfin, d'ailleurs, j'étais avec Chris. Parce que là, du coup, on est dans les locaux de Chris, Poisson Fécond. Mmh. Tu le sais, mais je le dis pour la caméra. Et du coup, j'étais avec lui, on se baladait dans les parcs, on faisait de l'hypnose de rue. Et moi, c'était une période où j'apprenais beaucoup l'hypnothérapie, l'hypnose ericksonienne, comme on l'appelle en France. Mmh. Alors qu'Erikson pratiquait l'hypnose rapide. Hein. Mais du coup, j'étais en train de me balader dans un parc pour faire de l'hypnose. Je galérais. J'enchaînais les échecs, un échec, 2 échecs, 3 échecs. Parce que j'essayais de faire de l'ericksonienne comme on l'écrit dans les livres. Ah ouais, dans un parc, ça devait tellement pas passer. C'était pas possible, quoi. Puis là, je vois un gamin de 14 ans juste à côté de nous, hein, qui mettait des mecs par terre, à la pelle. De l'hypnose rapide, quoi. Oh putain. Et je me dis, mais attends, mais il y a 14 ans, ça m'a rappelé moi à l'époque. Ouais. Il y a 14 ans, il les met par terre. Chris, en plus, il est un peu taquin, il me fait, bah, tu vois, lui, il y arrive alors qu'il est plus jeune et tout. Le pire, c'est que ce petit me suivait sur les réseaux. Oh non. Non, mais c'était trop bizarre, quoi. Et du coup, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Ouais. Et j'ai appris un truc après cette expérience. On le dira à la fin du podcast. Comme ça, ils vont le regarder jusqu'au bout. Et là, il va falloir que je me rappelle de poser la question du truc appris à la fin de l'échange. J'y penserai. Très bien. Peut-être pas. Sinon, je le mettrai dans les commentaires. Ok. Donc, là, à ce moment-là, tu te dis, ben moi, l'hypnose soi-disant en effet ericksonienne, en tout cas, l'hypnose PNL actuellement qu'on propose, relaxation, méditation, machin patin, c'est pas pour moi. Ouais, je me dis, non, c'est bon. Ouais. Ma zone de génie, c'est l'hypnose rapide. Ouais. Là, j'ai des résultats faciles. Et en fait, je comprenais pas d'où venait cette croyance que l'hypnose rapide était dangereuse et pouvait pas créer des vrais changements chez les gens, quoi. C'est une bonne question. J'imagine que ça vient des spectacles, mais encore, même pas, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais bien compris cette et qui existe toujours un petit peu cette opposition de spectacle thérapie. Ouais, ça toujours. Pas de sens, mais toujours. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient d'une. Il y a longtemps, peut-être quand ça arrivait en France, les thérapeutes, ils avaient peur de faire des trucs qu'ils n'avaient pas envie chez leurs clients. Donc, je sais pas. Écoutez, si vous savez en commentaire, dites-nous. Ouais. Parce que nous, ça vraiment, nous intéresse. La peur de l'hypnose rapide, pourquoi? Je sais pas. Ok, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, allez, full hypnose rapide, en avant sur TikTok, ou il y a encore des étapes À ce moment-là, je me forme plus à l'hypnose rapide, je vais plus loin de trucs, je refais. Je vais à la rencontre de plein d'hypnotiseurs, de psychologues, je sais pas, après, il s'est passé plein de trucs, quoi. Les réseaux, ça arrivait bien plus. Enfin, non, j'étais déjà sur YouTube à l'époque, il y a des vieilles vidéos de moi sur YouTube où je suis très jeune, j'ai moins de cheveux aussi. Et après TikTok, c'était quoi? Il y a 3 ans, je pense. Confinement. Après le confinement, quand même. J'aurais dû me lancer pendant le confinement, j'aurais bien plus d'abonnés aujourd'hui. Mais je faisais partie des aigris pendant le confinement qui disaient... Ouais, TikTok, c'est de la merde. C'est pour les jeunes, etc. Connais cette posture. Voilà. Et après, j'ai changé d'avis. Mais j'aurais dû changer d'avis un peu avant. Ok. C'est intéressant, je reviens juste sur le fait que tu as rencontré beaucoup de monde. Tu as un gros réseau, en fait, de gens que tu connais. En quoi c'est important pour toi, ça, d'avoir rencontré autant de monde? En quoi ça t'a aidé? Je pense que c'est parce que j'ai une facilité à rencontrer les gens. Mmh. Mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Tu vois, là, par exemple, je préfère te voir en vrai. Donc, par email, quand tu m'as contacté pour le podcast, je vais te dire « Attends, je passe à Lyon à tel moment, viens, on se capte. » C'est un truc tout bête. Hein. Mmh. En fait, à force, au bout d'un moment, je rencontre en fait, tout le monde. Je rencontre plein de gens. Mais disons que le réseau, c'est peut-être... alors, ça dépend pour tes objectifs, mais je dirais que le réseau, c'est peut-être 20% de ce qui est important. Quoi. Ouais. C'est pas non plus... C'est pas le truc qui... En fait, ça peut tout changer, mais pas forcément. C'est un peu bizarre comme réponse. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un comme Chris que j'ai rencontré, c'est un truc qui a changé beaucoup ma vie. Parce que, oui, du coup, je résume. Après, je suis venu habiter à Lyon avec lui, etc. Donc, c'est un truc qui a changé beaucoup de choses. Mais c'est pas le cas pour chaque personne que je vais rencontrer, quoi. Ouais, sûr. Il y a des fois une rencontre comme ça qui fait que... Vu que c'est un truc qui est assez facile pour moi, je le fais. Mais je pense que si c'est dur pour quelqu'un qui m'écoute, par exemple, c'est pas non plus quelque chose
d'obligatoire. On va pas planter complètement son câble si. Pas du tout. Surtout quand on va être thérapeute, le mieux c'est juste de taffer, de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de comment ça fonctionne, etc. Un peu de marketing. Je sais que c'est un gros mot aujourd'hui, mais voilà, c'est les choses les plus importantes quoi. Donc je crois qu'on peut pas trop passer à côté maintenant du marketing. Même depuis toujours. Moi je pense que Jésus était un très bon marketeur. C'est vrai qu'il a bien vendu son histoire. On en parle encore aujourd'hui, tu vois. Storytelling de ouf. Ah ouais, vraiment. Donc non, lui, je pense qu'il a... À l'époque, quand t'étais bon en marketing, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, c'est une nécessité, effectivement. C'est peut-être encore plus important, quoi. Bah, il y a de plus en plus de concurrence, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça, donc, ouais, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne, quoi. Et je pense que quand tu comprends tout ce qui se passe autour de l'hypnose, de la psychologie, etc., ça te sert en marketing. Ouais, tout à aussi. Fait. Alors, en marketing, peut-être pas, parce que je dissocie vraiment la notion commerciale, la notion de marketing. C'est vraiment deux choses différentes. Commercial, c'est quelqu'un qui va réussir, par exemple, à te raconter des histoires au téléphone, etc., qui va réussir à te vendre un truc, en fait, en direct, en one-on-one, on va dire, pour parler américain. J'adore. Marketing, ça va plus être parler à la masse. Parler à la masse. Et ça, c'est très, très dur. Pour la plupart des gens, parce qu'on a autant on a des outils qui vont nous permettre de communiquer en petits groupes, une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Par contre, des outils pour parler à des centaines de milliers de personnes en même temps, c'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est la première fois. Donc, je pense que psychologiquement, on n'est pas préparé à ça, quoi. Est-ce que tu penses que c'est important de devoir tu sais, on travaille pas mal en marketing sur les notions d'avatar, de client idéal, machin patin, où du coup, tu parles plus à une masse énorme. Mais où tu réduis, tu vois, la masse un petit peu. Ouais, c'est intéressant. Mais alors, tu vois, je me dis que cette notion d'avatar, justement, c'est fait pour que ce soit plus simple de comprendre comment fonctionne une masse de gens. Mais ça va te donner une réponse qui va pas être parfaite, quoi. Ça peut te donner une réponse, mais un avatar client, à la base, ça reste une hypothèse. Tu dis, bon, j'ai une hypothèse que c'est cette personne que je veux toucher. Mais en vrai, la seule façon d'en être sûr, c'est de tester, quoi. Ben comme tout, finalement. Comme tout, mais je pense que dans l'humain, dans le fait de pouvoir discuter avec un humain, on a moins besoin de tester. Parce qu'on a quand même des outils, tu vois, l'empathie, etc. C'est des choses qui vont nous permettre de comprendre tout de suite une émotion. On ne va pas avoir besoin d'avoir, je sais pas, de blesser quelqu'un 1000 fois pour comprendre quand est-ce qu'on a blessé quelqu'un, quoi. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Voilà. Je pense qu'on a des outils de base, alors que parler à la masse, à la foule, on n'a aucun outil qui nous prépare à ça. Enfin, vraiment, quand tu fais des vidéos sur les réseaux, sur TikTok, etc., tu balances une vidéo, tu sais absolument pas si ça va marcher ou pas. J'en ai aucune idée, parce qu'en fait, il y a plein de fois où ça marche, et puis d'autres fois où ça marche pas, alors qu'à la base, je pensais que ça allait fonctionner. Quoi. Ouais. On peut pas vraiment savoir. Tu sais pas ce qui peut marcher ou... Il n'y a pas une espèce de feeling de... Non, justement, non, il n'y a pas de feeling. Okay. C'est exactement ça, tu vois. C'est que du rationnel. Et du coup, tu vas pas très loin avec du rationnel. Tu n'as aucun feeling. Tu peux avoir un feeling que ça va marcher, ça va pas marcher. Le feeling, faut absolument pas l'écouter. Enfin, en tout cas, pour la plupart des créateurs, c'est très rare. Je crois que j'en ai vu peut-être 2 ou 3 des créateurs sur la plusieurs centaines de créateurs que j'ai rencontrés, qui ont vraiment un feeling sur ce qui va marcher ou pas. Mais c'est extrêmement rare. Et eux, ils le sentent. Ils sentent quand la vidéo va marcher. Mm-hmm. Ils le sentent là, quoi. Moi, j'ai aucune sensation, ou en tout cas, je l'écoute pas ma sensation à ce moment-là, parce qu'elle est, faussée tout le temps, en fait. Ouais. C'est pas la plupart du temps, c'est vraiment... C'est aussi faussé que le hasard, quoi. Ok. Donc... Maintenant, toi, tu te développes via les vidéos, via les réseaux. Ouais. T'es d'ailleurs bien connu pour ça, là. T'es un peu l'hypno français qu'on voit le plus sur les réseaux. Je sais pas, ça dépend des algorithmes. je pense pas être celui qui a le plus d'abonnés. Mais oui, on me voit... En tout cas, en francophonie, je pense que on me voit pas mal, quand même. Ok. Comment tu gères... Alors, question, là, pour moi, parce que ça m'intéresse. Comment tu gères les critiques? Est-ce que tu les gères pas, tu t'en fous et voilà. Comment tu as développé cette capacité à passer outre la critique, je sais pas. Bonne question. Ça dépend des critiques. Je vais les trier différemment. Okay. Ouais, ça va vraiment dépendre, quoi. Souvent, ça me fait rire, en fait. Je m'amuse un peu avec les critiques. Ouais, ça me touche pas spécialement, j'avoue. Je pense que c'est parce que je pense que les critiques peuvent te toucher si t'es pas bien entouré à la base.
Je me dirais que si j'étais pas dans un groupe dans lequel je me sentais bien déjà de base, qui me faisait comprendre ma valeur, on va dire, peut-être que des commentaires de random sur internet pourraient un peu la toucher, la titiller, ma valeur. Aujourd'hui, je pense qu'elle est bien, bien protégée, cette valeur, donc j'ai pas de. Les commentaires des haters, ça me fait pas grand, ça me fait rien, quoi. Ça me fait rire, en fait. Faut vraiment être au clair sur. Je pense qu'en tout cas, à notre époque, faut. Alors, c'est encore plus vrai aujourd'hui, je pense. Faut être extrêmement clair sur qui on est, sur nos valeurs, sur à quel point on a de la valeur, quoi, entre guillemets, si j'essaie de résumer. C'est encore plus important parce que c'est pas qu'une histoire de critique, c'est aussi une histoire d'algorithme, de. En fait, les réseaux, c'est des algorithmes. C'est une histoire d'algorithme, c'est une histoire de. Même ce qu'on voit avec les intelligences artificielles, à l'avenir, l'intelligence artificielle va peut-être nous connaître mieux que nous-mêmes. C'est pour ça que c'est encore plus important de se connaître. Parce que quand on ne va pas se connaître, on va demander à un algorithme de nous connaître mieux à notre place. Et du coup, il pourra prendre des décisions à notre place, il pourra faire des choses à notre place. Ça commence déjà. Ouais, je pense que c'est hyper important de connaître sa valeur, de se connaître. Ok, donc connaître sa valeur, se connaître et être bien entouré. Et bien entouré aussi, ouais. Ouais, ça c'est hyper important. Ouais, je pense que ouais, c'est le problème numéro un des créateurs. C'est qu'ils sont très souvent assez mal entourés. Du coup, bon, en fait, je sais pas, ils lisent leurs commentaires. Parce qu'en fait, on a quand même un besoin social. Ouais. Donc quand on l'a pas dans la vie, on l'a sur les réseaux. Et quand on est sur les réseaux et qu'on reçoit des commentaires négatifs, bah, c'est un peu bas de gamme, quoi. Donc on regarde des trucs. Tu vas remplir un truc que t'as pas, tu veux, ça, voilà, ta vie. Tu le remplis avec des commentaires de merde sur les réseaux, quoi. Donc ouais, je pense que c'est ça qui fait quand même la différence. C'est intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai formé des débutants et ouais. C'est un gros problème à visibilité chez les débutants. Ah ouais, ouais. Les débutants quoi, en débutants en hypnose, thérapie etc. Ouais. Alors, forcément, moi, je travaillais là-dedans, dans ceux qui n'osaient pas. Donc, évidemment, j'ai un gros biais sur le fait que je voyais cela. Mais il y avait quand même un gros truc qui revenait sur tout con, mais j'ose pas poster un truc, j'ose pas tout faire ma pub, parler de moi, dire que je fais de l'hypnose. Mais c'est dur. Hein. Ouais. C'est super dur. Hein. Moi, heureusement que j'ai commencé jeune parce que ça m'a habitué. Et même mes premières vidéos TikTok, c'était pas facile. Hein. C'est facile pour personne. C'est pour ça que je respecte beaucoup les créateurs. Parce que appuyer sur le bouton publier, c'est s'exposer publiquement, c'est dur. C'est pas un truc qui est facile, quoi. C'est vraiment un truc très chelou, un peu même. Je devrais dire. Mais je trouve ça chouette que tu dises ça, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait dire ouais, mais eux, voilà, ils réussissent. Tu vois, on se rend pas compte de. Moi, souvent, quand je l'explique que je flippe à chaque podcast et qu'à chaque fois que je lance une formation, alors là, c'est la. Tu te dis putain, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ouais. C'est l'enfer. Mais on vit tout ça, je pense. Ah bah oui, c'est un truc. Enfin, tu remets ta vie en question à chaque fois que tu postes c'est une ça. Vidéo, à chaque fois que tu postes un podcast. En fait, c'est bizarre parce que c'est quand même bizarre de créateur. Tu viens mettre du temps, de la générosité dans un truc, et tu peux mettre beaucoup de temps, et derrière, tu le postes et ça va avoir aucun résultat. Les gens vont en avoir rien à foutre. Et c'est normal, c'est pas de la faute des gens, quoi, au contraire. Ouais. Mais voilà, c'est une sorte de pari sur l'avenir en permanence. Tu sais jamais quand ça va marcher. Mais du coup, il faut prendre le parti pris inverse. Plus t'as peur, plus il faut poster. Ouais, toi, c'est ce que tu fais. Bah, c'est ça plus tu flippes et plus tu. Là, du coup, je flippe pas assez parce que je poste pas beaucoup en ce moment. D'accord. C'est assez marrant. En fait, quand j'ai peur, je poste encore plus. Parce que quand t'as peur, ça veut dire que tu ne sais pas quand un truc va marcher ou pas. Et le seul moyen de le savoir, c'est de s'exposer. Vu qu'on a aucun outil, justement, qui nous permet de comprendre un petit peu comment la foule fonctionne, il faut que tu postes plein d'hameçons, tu vois, à droite, à gauche, tu vas poster partout. Tu fais des tests, en fait, voilà, pour et savoir. En fait, au bout d'un moment, ça a marché. L'époque où j'avais le plus peur de poster, c'était mes premiers TikTok. Ben, je me suis dit, j'en poste un par jour. Et alors, c'était horrible, quoi. Enfin, au début, c'était horrible. Après, au bout d'un moment, quand on a 1, 2, 3, 4, 5 qui marchent, tu souffles un coup, ouais. Quoi. Mais en fait, au début, tu publies. Et ça qui est bien avec TikTok, c'est que tu peux itérer très rapidement. Sur YouTube, tu postes un truc sur YouTube, le truc, peut-être que c'est une super vidéo qui va marcher, mais tu le sauras dans 6 mois. Mm. C'est hyper frustrant, quoi. TikTok, tu le sais au bout d'une semaine, ça marche ou pas, maximum. Ouais, donc t'as le retour d'expérience très très vite et tu peux réadapter très vite. Donc tu vas super vite. À l'époque, vraiment, j'en publiais un par jour. Le lendemain, j'avais dû oublier le TikTok d'avant-hier parce que j'étais déjà sur celui de demain, quoi. C'est intéressant, ça, de pas rester aussi sur ce que t'as fait et de continuer à être dans l'action, en fait. Ah, c'est ça. Que ce soit en auto-challengeant, avec des défis et tout, ou... Exactement. Ok. Question technique. Ouais. Pour toi, l'hypnose, c'est quoi ?
Très bonne question. Alors, ce que je dis toujours, alors, très souvent, là. Alors, si tu me dis, c'est comme alors, quand on conduit une voiture voilà, ou quand on lit un livre, je me casse. Justement, beaucoup d'hypnotiseurs vont te dire ça. C'est un état de conscience modifié. Exemple, quand vous lisez une voiture, quand vous lisez un livre, quand vous conduisez une voiture, l'heure une voiture, bon. C'est bizarre, mais c'est OK. Rupture du pattern. Complet. T'as vu, j'ai bugué. Alors, pour moi, ça, c'est un aspect de l'hypnose que j'appelle la tunnelisation. Alors, c'est pas moi qui appelle ça, c'est quand j'ai lu des études sur l'hypnose, c'est comme ça que les chercheurs appellent ça. La tunnelisation attentionnelle. Le fait d'être focalisé sur une chose et rien d'autre. Alors, du coup, pour moi, il y a trois critères pour que je valide que quelqu'un soit bel et bien sous hypnose. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'hypnose, c'est pas un état, mais un ensemble de processus. Mmh. Simplement parce qu'on peut être dans plein d'états différents quand on est sous hypnose. On peut être surexcité, on peut être... En fait, il n'y a pas de... Alors, il y a une désactivation d'IMN au niveau du cerveau. C'est le seul point commun qu'on pourrait peut-être voir entre tous les états d'hypnose. Mais bon, c'est vraiment un indice assez faible par rapport au fait de penser que c'est plutôt un tas de processus. Et donc, pour moi, les trois processus distincts que j'évalue quand j'hypnotise quelqu'un, ça va être premièrement la tunnelisation. Ouais. Donc, la personne doit être concentrée sur une chose et rien d'autre, en gros sur mes paroles. Deuxième critère qui est pour moi hyper important, et c'est marrant, je n'ai jamais entendu des hypnotiseurs en parler. Pourtant, dans des études, c'est écrit comme ça. C'est le principe de désagentivité. Ouais. La personne que tu hypnotises n'est plus agente d'elle-même. Ça veut dire que, en fait, notre cerveau nous envoie en permanence l'illusion qu'on a un contrôle sur le monde. Par exemple, si là, vous bougez votre bras, il va vous donner la sensation que c'est vous qui avez bougé votre bras. Ça va être la sensation de volonté, d'ailleurs. C'est un peu de là que vient le libre arbitre, la sensation d'être libre, la sensation d'être décisionnaire de nos actions. Il faut savoir que c'est qu'une illusion que notre cerveau nous envoie et qu'en réalité, il y a plusieurs études qui ont montré que, par exemple, quand je prends ce verre, ce qui se passe, c'est que mon cerveau enclenche le geste que je vais prendre le verre et que juste après, il m'envoie la sensation que c'est moi qui le fais. Ouais. Alors que c'est pour tout un tas d'autres raisons que j'ai commencé à prendre ce verre. Ouais, peut-être que tu as senti une soif ou quoi, mais ce n'est pas ton contrôle. Exactement. Conscient, on va dire. Tout à fait. Voilà, selon plusieurs études. Hein, pour l'instant, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, tout simplement parce qu'on saura à peu près ce que c'est que l'hypnose quand on comprendra ce que c'est que la conscience. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Pas du tout, on est aux prémices du truc. Enfin, ça fait 20 ans qu'on est aux prémices du truc et on n'est pas allé vraiment plus loin. C'est hyper dur à étudier, c'est hyper flou. Bref, la désagentivité. La désagentivité, c'est le fait de ne plus se sentir agent de soi-même. Par exemple, si je demande à quelqu'un sous hypnose de prendre le verre, eh bien, il aura la sensation que c'est quelque chose d'extérieur qui va prendre le verre à sa place. Il aura la sensation que c'est l'hypnotiseur qui le contrôle. Ou il aura la sensation que c'est une force, par exemple. C'est un principe qu'on peut voir aussi beaucoup chez les religions. Il y a beaucoup de religions où tu as ce sentiment de désagentivité où tu te dis c'est pas moi qui ai fait ce geste, c'est Dieu. C'est quelque chose qui me dépasse. Et je pense que c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on peut créer des changements avec l'hypnose. Il y a quand même j'ai l'impression qu'on peut vraiment faire un lien entre quelqu'un qui a l'impression qu'il a changé à cause de quelque chose d'extérieur, un Dieu, une croyance, et l'hypnose. Ben, j'ai changé grâce à l'hypnose. C'était pas sous mon contrôle, il y a un truc au-delà de moi-même qui m'a changé. Et ça qui est très intéressant dans la désagentivité, c'est pour ça que c'est pour moi un des critères absolus à l'hypnose. Enfin, absolu, en tout cas très important à valider pour que je me dise, là, cette personne a été hypnotisée. Je dois valider que là, elle n'est plus tout à fait agente d'elle-même. Est-ce que tu rapproches ça des automatismes? Enfin, je repense phénomène hypnotique, une lévitation, ce serait une grosse différence entre j'ai l'impression que c'est moi qui lève ma main et la main se lève. Oui, évidemment, tout à fait, c'est un automatisme, une catalepsie, enfin un mouvement idiomoteur, là, tu parlais de ça, une catalepsie. Pour moi, la meilleure sensation de désagentivité, c'est pas du tout absolu, hein, vraiment, ça reste une catalepsie. Donc, mon but, ça va être de valider la catalepsie le plus vite possible. Okay. Je vais considérer que si j'arrive à faire une catalepsie, dans la plupart des cas, je vais pouvoir créer un changement chez la personne. Encore une fois, c'est pas absolu, parfois on peut faire des trucs ouf seulement avec des mouvements idiomoteurs. Ouais. Parfois, les mouvements idéomoteurs ne passent pas et la catalepsie passe, c'est absolument pas absolu. Oui, les gens aiment nous faire des surprises. Oui, voilà. Il ne faut pas du tout prendre ça à la lettre comme ça, pas du tout. Troisième point, ça va être l'imagination automatique. Voilà, le troisième point. La personne hypnotisée devra imaginer sans aucun effort ce que je lui propose. Si la personne fait un effort quand je lui propose une suggestion pour l'imaginer, c'est qu'il y a un problème.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez créative, elle n'est pas dans un processus de créativité. Et d'ailleurs, on peut voir au niveau cérébral que quand quelqu'un est dans un processus de créativité, similaire à l'état de flow d'ailleurs, je ne suis pas sûr ce que c'est l'état de flow. Si, si. Je ne me rappelle jamais le nom de l'auteur, la Mihaly, machin. Ouais, il a un nom extrêmement étrange. Tu as les trois autoroutes du cerveau qui sont connectées entre elles, ce qui n'est pas le cas quand on n'est pas dans un processus de créativité. Je suspecte qu'en hypnose, c'est la même chose. Ok. Du coup, il faut que la personne, selon moi, soit dans cette espèce de process de créativité où c'est facile en fait, d'imaginer, où c'est facile d'avoir des images, en tout cas de ressentir ce que je lui demande de ressentir. Oui, parce que tu différencies imaginer de visualiser, j'imagine. Oui, voilà, ouais, dans cette terminologie-là, dans cette terminologie-là, imaginer, ça me requerrait plus un effort. Ok. Visualiser, ben, je ne sais pas, c'est ce que tu voulais dire. Imaginer, ça peut être ben, par du corporel, du visuel, du okay, ce que tu veux, que visualiser, alors là, je dis vraiment pour les hypnos en thérapie qui sont vraiment en galère des fois avec mon patient n'arrive pas à imaginer ça. Bah, par exemple, si quelqu'un te dit, ton client, ton patient te dit j'arrive pas à imaginer ça, il ne peut pas être sous hypnose. Ok. Quelqu'un sous hypnose. Là, tu sais que tu dois reprendre le process, quoi. Ouais, il y a un truc qui cloche. Quelqu'un sous hypnose, ça doit être. C'est immédiat, il y a une réaction qui est immédiate. Okay. C'est comme un réactif, un truc chimique. Tu lui dis un truc, il se passe quelque chose. Okay. Pas forcément ce à quoi tu t'attendais, mais en tout cas, il se passe un truc. Qui ne requiert aucun effort. Quoi. Okay. Par exemple, tu dis, imagine du bleu, il dit, ah non, c'est pas bleu, c'est orange. C'est bon, c'est automatique. Il n'a pas décidé lui-même que ça soit orange. Okay. Pour reprendre point par point, ouais. Dans le premier, comment tu fais pour augmenter cette. En fait, qui te suivent, en fait. L'engagement, je ne sais pas comment tu veux appeler ça, mais. Waouh, il y a plein de techniques. Ça, je pourrais en parler. Tu en mets quelques-unes, parce que sinon, après, on va donner toute ta formation, en fait, le bordel. C'est très dur de donner toute ma formation. Il y a Alors, on va donner que quelques-unes. Waouh, wow, mais alors, ça peut être une rupture du pattern, tu vois. Ouais. Ça peut être. Pour tunneliser la personne, ça peut être l'environnement, tu peux jouer avec le contexte. Tu peux jouer avec les ruptures du pattern, ça sert à ça, ça tunnelise immédiatement une rupture du pattern. Tu peux, après, c'est la suggestion. Tout dépend du contexte aussi, si tu es dans la rue, si tu es en cabinet, etc. Ce sera des choses différentes. Tu peux jouer sur plusieurs sens en même temps. Bref, il y a plein de trucs. Quoi. Est-ce que tu joues sur, je sais pas, toi, ta posture ou ton non-verbal ou le fait d'avoir, tu sais, souvent on entend dans les hypnotiseurs de spectacle qu'ils ont, ils sont plus sur deux, en fait. Ils sont plus sur deux que les hypnothérapies sont. Je pense que la plupart du temps, ouais, j'ai une posture, on va dire, ascendante par rapport à la personne que j'hypnotise, mais pas toujours. Parfois, c'est plus subtil, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément apprécier la posture ascendante, mais la plupart des gens acceptent. Hein. La plupart des gens sont très dociles, en réalité. Moi compris, hein, quand je me fais hypnotiser, il n'y a pas de souci. Hein. Si je fais confiance, je pars complètement. Quoi. Ouais, ça va... C'était quoi ta question, Dodo? Est-ce que toi, dans le fait de parler d'une certaine manière ou d'avoir une posture ascendante, est-ce que ça permet de tunneliser encore plus la personne, qu'elle soit encore plus focus que sur toi et sur ce que tu dis ou... Je pense que dans la plupart des cas, oui, effectivement, ça doit jouer énormément. C'est tellement plus simple d'hypnotiser comme ça. Après, si on n'est pas forcément en confiance, ce sera compliqué. J'ai l'impression que la plupart des thérapeutes qui adoptent une posture vraiment... pas plus, comment on dit déjà, permissive, ils vont le faire surtout, principalement par peur d'adopter l'autre posture parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Donc, c'est quand même vachement confortable de se dire, allez, je laisse à l'autre toute la place. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la meilleure solution, je trouve. Et puis, tu te dis, si ça ne marche pas, c'est l'autre. C'est pas de ma faute. C'est l'autre. C'est pas de ma faute. Hein. Je vais tout donner, moi. Je vais faire ce que je pouvais. Non, tu vois. Le problème, c'est que derrière, il ne se passe pas grand-chose et je me retrouve toutes les semaines à croiser des types dans la rue qui me disent « Alors, j'ai fait de la thérapie, pour moi, l'hypnose, ça ne marche pas parce que j'ai dormi pendant la séance. » Et puis, je le regarde et puis je dis « Dors » et puis il tombe par terre et puis, là, ça fonctionne, c'est bizarre. Mais en fait, oui, il est tombé sur quelqu'un de trop permissif et finalement, il n'a pas réussi à travailler. Quoi. Ça vient peut-être de là, le problème de... la peur de l'hypnose de spectacle. Parce qu'on est beaucoup moins permissif et plus... direct en fait, mais comme des inductions d'Hellman ou des choses comme ça, des trucs très directifs. Ouais. Nous qui devons être bienveillants à tout prix, est-ce qu'on deviendrait moins bienveillant parce qu'on est plus directif? Je suis pas sûr. Exactement. Puis après, la plupart des humains n'aiment pas trop le changement. Donc depuis tout le temps, on dissocie l'hypnose de spectacle, l'hypnothérapie. Pourquoi ça devrait changer? Aussi, on a peur aussi de ce qu'on connaît pas.
Et donc je peux comprendre aussi la posture de certains thérapeutes qui vraiment se disent le spectacle c'est mort. Mais d'un autre côté, Mesmer aujourd'hui c'est un des hypnotiseurs les plus connus du monde. C'est comme ça. Et en fait, c'est en partie grâce à Mesmer que derrière, il y a des cabinets de Mais c'est thérapie qui se sûr, remplissent. Hein. c'est sûr. Enfin, donc, c'est facile de critiquer Mesmer, mais va faire mieux que lui en termes de marketing, en termes d'image, etc. En termes de faire connaître l'hypnose, clairement, Vraiment. c'est notre un de nos meilleurs ambassadeurs. Non, mais Bah, en c'est ça, deuxième quoi. avec Kevin Funnell, comme on disait tout à Évidemment. l'heure, c'est Évidemment. très bons ambassadeurs. Donc, va faire mieux que Mesmer en termes d'image pour faire rayonner l'hypnose, pour en parler, quoi. Mais comme tu disais, quand tu as 300 personnes dans un parc qui te regardent, enfin, nous en cabinet, on ne fera jamais connaître à autant de personnes. Évidemment. On fera connaître à une, deux, qui fera connaître lui-même à une, deux, et puis voilà, quoi. C'est ça. Donc ouais, c'est. Je pense que c'est pas forcément la bonne idée de cracher sur l'hypnose rapide, encore moins sur l'hypnose de spectacle, ou l'inverse. Mais je sais plus où est-ce qu'on en était. On était au point 1, Au point 1 donc ouais. de ta fiche là? Non, pas du tout, j'ai abandonné la Ah fiche là, t'as là, j'ai complètement complètement abandonné la lâché. fiche. Ah, point 1 de mes Ouais, 3 points, de mes c'est 3 ça, critères dans c'est lesquels ça, je c'est vais ça. l'hypnose. Et en point 2, c'était du coup la désagentivité. Ouais. Est-ce que tu as, pareil, un truc que tu pourrais donner là sur comment créer cette désagentivité? Comment créer cette désagentivité? Je l'ai dit, catalepsie. Catalepsie, ouais. Faut amener la C'est vraiment personne le plus vite ton. possible à la catalepsie. Catalepsie, alors, je vais être hyper précise, membres, paupières, n'importe, N'importe, tout ce qu'on peut vraiment. catalepsier, Ouais, c'est ça. on Tout ce que catalepsie. tu peux catalepsier, tu catalepsies. Ok, intéressant. C'est pas absolu, évidemment. Mais voilà. Voilà, surprenez-vous, il y a plein de trucs dans lesquels on peut amener une désagentivité. Ça peut être une évitation de la main, ça peut être. Ouais, oser en fait, oser tester, Voilà, voir si ça marche. exactement. Faut juste comprendre ce que c'est que la gentilité et après, tu testes. Quand ça marche pas, toi, comment tu t'as appris à t'adapter en fait hyper vite? C'est-à-dire qu'un truc marche pas, tu fais autre chose. En fait, pour moi, c'est. J'aime plus dire que ça marche pas. Ça C'est-à-dire marche. qu'en fait, il y a toujours une. Ce que j'expliquais avec la notion de réactif tout à l'heure. Il y a toujours une réaction. Et il faut apprendre à la réutiliser, à s'adapter. Même une non-réaction, c'est une réaction en réalité. La personne t'a suivi dans le truc. En fait, ça s'est pas passé comme tu l'avais prévu, peut-être, mais tu peux toujours retourner la chose, raconter une autre histoire. En fait, l'hypnose, faut comprendre que c'est une compétence, le fait de se faire hypnotiser. Donc, il y a des gens qui vont être plus ou moins compétents au début pour se faire hypnotiser, et donc il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut l'amener, comment est-ce qu'on peut trouver sa clé pour l'hypnotiser malgré tout, pour lui apprendre à l'hypnotiser malgré tout. Moi, ce que je veux faire, c'est débloquer cette compétence le plus vite possible. C'est vraiment mon objectif depuis que j'ai commencé l'hypnose. Je vais Ok. trouver les techniques les plus rapides qui existent pour que le plus rapidement possible, quelqu'un qui n'est pas hypnotisé, je l'hypnotise. Ok. Pourquoi ça t'intéresse ce truc de rapidité? Parce que j'ai la flemme d'y passer du temps, quoi. Je sais pas, c'est vraiment pour ça. Meilleure Ça me réponse. frustre énormément, quoi. Je me souviens d'une, je sais pas, d'une formation en street hypnose que j'avais faite. Et il y avait toujours un hypnotiseur qui prenait les volontaires les plus longs à rentrer en hypnose et puis rester 1 heure, 2 heures avec lui, avec le sujet pour l'hypnotiser. Ça me rendait fou. Je me suis dit, mais comment il fait, quoi? Moi, j'ai envie que ça maximum 20 minutes, quoi. 20 minutes, déjà, je trouvais ça énorme. Et du coup, ça me. Ouais, ça me quand c'est pas rapide, je suis un peu frustré, quoi. En hypnose spécifiquement, dans la vie de tous les jours, je suis relativement tranquille. Mais par contre, en hypnose, ouais, j'ai envie que ça aille super vite, quoi. Bah, c'est-à-dire que l'induction, après tu peux faire plein de trucs, en fait, tu as le temps pour faire plein d'autres trucs une fois que c'est fait, que Ouais, tu c'est as la ça. transe. Exactement. Je vais arriver à la suggestion le plus vite possible. C'est un kiff, la suggestion. Tout ce qu'il y a avant, c'est juste répétitif, quoi. Tu as développé des trucs sur la suggestion, sur C'est-à-dire? parce que tu as fait des recherches là-dessus, parce que tu as beaucoup cherché sur la conscience, sur la rapidité, etc. Est-ce que sur la suggestion, tu as aussi t'as fait là-dessus ou... Alors, la suggestion, ce que j'ai trouvé, c'est que ChatGPT, c'est super pour avoir des idées de C'est suggestion. top, hein? C'est top. C'est mieux que le bouquin Métaphore à suggestion. Le gros, là, rouge, à 70 balles. C'est ça, ouais. C'est moins cher. Enfin, sur le long terme, peut-être pas, mais. Et Ah bon. en fait, les suggestions, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Le plus important de la suggestion, c'est de ne pas lire de script. C'est le seul truc. Tu peux avoir un fil conducteur à la limite, mais en fait, plus tu vas adapter ta suggestion par rapport à ton anamnèse, plus ta séance, elle sera incroyable, quoi. Et
la transformation peut aller vite. Il faut vraiment faire un truc, faut en profiter pour faire un truc hyper adapté. C'est obligé de faire un truc très long d'ailleurs. Encore une fois, hein, y a des changements qui peuvent s'opérer. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent ça dingue, mais j'ai un exemple hyper intéressant pour ça. Il y a quelqu'un qui un jour est venu me voir et m'a dit « Je me suis fait hypnotiser pour arrêter de fumer. » Je lui demande « Vas-y, c'était quoi avant ta séance ?» Il dit « L'hypnotiseur, il m'a parlé pendant 15 minutes. » Et en fait, je le questionne. Et je lui dis « Mais attends, 15 minutes ?» Il m'a dit « Oui. » Je lui dis « T'as fait une induction ?» Je lui explique que c'est une induction. Il me fait « Non, il n'a pas fait d'induction, il m'a juste parlé. » Et il me dit « Je me souviens juste qu'à un moment, au milieu de la discussion, il m'a dit « Maintenant, tu arrêtes de fumer. » Et il m'a dit... Et le mec me dit, mais je sais pas, c'était son regard, son truc, tout ce qu'il avait fait avant, l'endroit où on était qui était chelou. Après, j'ai plus jamais eu envie de fumer. Ouais, on revient sur le contexte. Ouais. Sur le... Et je me suis dit, mais attends, mais. Et je suis là, ça fait combien de temps que tu fumes plus? Je sais pas, 6 ans. Je fais, attends, t'es en train de me dire qu'il y a un mec qui t'a parlé pendant 15 minutes. Il t'a juste fait une grosse rupture du pattern avec maintenant tu arrêtes de fumer, c'est bon, t'as arrêté de fumer. Bah ouais, mais c'est pas ça l'hypnose. Je lui dis, bah. Si, c'est ça l'hypnose. Et en fait, tout ça pour dire que, en fait, il n'y a pas de séance type, il n'y a pas de script à avoir. Peut-être ce mec, il a juste senti que c'était le moment. Il l'a regardé dans les yeux, il a dit ça, et il s'est dit, bon, on verra. Et ça a marché. Encore une fois, hein, y a des médecins qui arrivent à créer des douleurs psychosomatiques à des patients parce qu'ils leur ont dit qu'ils allaient avoir mal à l'épaule toute leur vie. Donc, on peut créer des changements hyper rapides. Et donc, quand on peut faire des trucs comme ça, je ne vois pas pourquoi on va y passer 3 heures, 3 séances. Quand ça peut se faire en 15 minutes. Surtout qu'en plus, on a des super croyances sur l'hypnose, baguette magique. Bah ouais. C'est ça. Enfin, un effet placebo de base qui est top, quoi. Bah, de toute façon, l'hypnose, c'est que ça. Hein. L'hypnose, c'est un effet placebo sous stéroïde. Hein. C'est que ça, vraiment. L'effet placebo, c'est quoi? On appelle ça l'effet contextuel dans les études. C'est amener quelqu'un dans un contexte dans lequel on va pouvoir, avec un cachet de sucre, lui provoquer les mêmes effets qu'une substance active. L'hypnose, c'est que ça. On va mettre quelqu'un dans un contexte dans lequel des paroles vont transformer. Des paroles, des suggestions. C'est juste qu'on vient créer un processus et un contexte qui va être tellement puissant que ça va être encore plus fort qu'un simple placebo. C'est vraiment un placebo sous stéroïde, l'hypnose. Intéressant. C'est pas plus que ça, mais d'ailleurs, pour moi, l'hypnose, c'est le seul placebo honnête. Tu vas dire que c'est par tes mots que tu vas transformer la personne. Tu vas pas mentir sur le fait que c'est un cachet de sucre, blablabla. Tu dis juste la vérité. Tu dis, bah non, je vais te parler, ça va te transformer. Ok. T'es plutôt adepte des suggestions directes, du coup? Plutôt, tu sais, les trucs indirects qui... Ouais, j'en fais rarement des indirects. C'est je passe parfois... par B pour aller à C... Mais parfois, c'est nécessaire, hein, mais c'est assez rare. Encore une fois, apprendre l'hypnose par des indirects, mais quel intérêt, quoi. Putain, mais c'est tellement chiant. Je pense que des fois, c'est utile, c'est pratique, mais putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là. Quand on apprenait le Milton Model, là, par cœur, mon Dieu. Oh là là, là non, mais c'est des trucs, ouais. Alors, Milton Erickson, il adorait ça, mais laissez-le à Milton Erickson. Hein. C'est très particulier, Milton Erickson. En plus, c'était en anglais, donc en anglais, tu peux faire des trucs un peu plus chelous aussi avec les phrases que tu peux pas trop faire en français. C'est impressionnant, l'anglais. Hein. J'ai vécu une transe avec les enfants d'Elman, le fils d'Elman. Ah ouais? Ouais, au congrès d'hypnose l'année dernière. Et ils ont fait, c'est la femme du fils de Larry Elman qui a fait la transe en Zoom. C'était impressionnant, on était peut-être une quarantaine dans la salle. Ouais. Et ce rythme, ce deeper and deeper, enfin tu vois, c'est un rythme, un ton de voix qui est particulier dans l'hypnose en anglais. Ouais, c'est pas la même chose. Non. Hein. Tu peux même jouer avec les mots de manière différente et tout. Ouais, particulier. Ouais. Là, je m'entraîne à hypnotiser en anglais, c'est pour ça que je m'en rends compte. Ouais, j'aimerais bien tester les vidéos en anglais, pas tout de suite, dans un an peut-être. Le temps, parce qu'il faut vraiment être très bon en anglais pour faire de l'hypnose en anglais. J'imagine, ouais. J'ai pas envie de faire ça comme un singe, quoi. J'ai mon mari qui fait des spectacles et d'hypnose ouais. Ah, énorme. On s'est mis entre hypno autant qu'à faire, tu vois. Et il fait dans les campings l'été, machin. Et le reste du temps, il est en cab. Et il y a des campings où il est allé, où en fait, il y avait tellement de Hollandais, un truc comme ça, où il était obligé de faire de la traduction instantanée. Wow. L'enfer. L'enfer. L'horreur. Horrible. Les pires spectacles du monde, tu sais. Bah, je sais pas si j'en serais capable, honnêtement, c'est un dé. Bah, je pense qu'une fois, alors lui, il est un peu comme ça, il est adepte d'une fois que t'es sur scène, tu vas pas te barrer en fait. T'as plus le choix, quoi. C'est ça. Il faut bien que les gens comprennent un minimum ce que t'es en train de faire, quoi. Bah, j'avoue, c'est dur. Mais c'est intéressant de passer tes vidéos en anglais, du coup. On verra, très, très souvent, quand un français fait ça, ça bite de fou. Donc, ah ouais? Ouais, vraiment, c'est dur de passer en anglais, c'est un autre monde, hein.
Là-bas, l'hypnose, ils ont 10 ans d'avance, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut que je prenne 10 ans d'avance, là. Tu vois. Tranquille. Ça distorsion va. Du temps, hypnose. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, c'est, on verra. Mais là, c'est pas encore dans les projets. D'abord, j'apprends à bien parler anglais, puis après, on verra. Cool. Donc, tes projets, là, actuellement, je vais rebondir dessus directement, t'as lancé des formations. Ouais, bah, du coup, j'ai ma formation qui tourne assez bien. C'est formation auto-hypnose, il y en a deux, c'est ça ? Hypnose et auto-hypnose. Ouais. Hypnose et auto-hypnose. Et puis à côté, je fais des vidéos. Là, je veux reprendre les vidéos à fond. Ok. En gros, en termes de projet, c'est ça pour l'instant. Ok. J'avais cru entendre que t'es. J'appuie là-dessus parce que j'étais. Moi, j'ai formé beaucoup d'infirmières libéraux, parce que j'étais dans une boîte qui formait là-dessus. Mmh. Et que t'avais appuyé un peu ta formation hypnose pour les infirmiers libéraux, pour les gens de la santé. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. En fait, j'ai remarqué que là-bas, il y avait une sorte de gros manque à l'hypnose rapide. Mmh. Très très peu d'infirmiers, de gens en profession médicale qui pratiquent l'hypnose rapide, alors que c'est un milieu dans lequel c'est hyper important. Mais complètement. Il y a plein de médecins qui viennent me voir, anesthésistes, etc., urgentistes, qui viennent me voir parce qu'en fait, ils ont appris des méthodes d'hypnose traditionnelles progressives, pour ne pas dire ericksonienne, je préfère dire progressive. Non, mais pire que ça, DU, c'est même pas ericksonien, c'est une cata. J'ai une pote qui était en DU, qui est hypno en psychiatrie. Psychiatre ? Non, infirmière psychiatrie. Ouais. Et j'ai suivi ce qu'elle faisait dans son DU. Non, mais c'est... J'étais en PLS. Non, mais c'est horrible. C'est une cata. C'est une catastrophe. Et elle ne peut pas l'utiliser, en fait. C'est inemployable. C'est inemployable. Du coup, j'en souviens, mais c'est des trucs, des fois, qui payent très cher, en plus. Hein. Et en fait, ils m'expliquent qu'ils n'ont jamais pu pratiquer l'hypnose. Ils ont suivi des cours, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas pratiquer, quoi. Et alors que, en fait, quand tu es en urgentiste, c'est en 3 minutes que tu... Même moins de 3 minutes que tu dois faire ta transe. Et ça tombe bien, en situation d'urgence, contexte, les gens sont hyper sensibles à l'hypnose. Réceptif, ouais. En fait, ils veulent plus avoir mal ou un truc comme ça. Ah oui, c'est vraiment... C'est instantané. Vas-y, vraiment, si tu me dis que j'ai plus mal, d'accord, j'ai plus mal. Tu penses que tu casses la jambe de quelqu'un, 99% du temps, tu fais ton induction en 10 secondes, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Pas de me casser la jambe, mais de voir des gens qui ont très mal. T'as cassé la jambe à quelqu'un ouais, et... Péter la jambe. Allez, c'était une bonne vidéo. Super. Mais ouais, non, c'est hyper rapide en situation d'urgence. Même des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise en temps normal, mais ils lâchent prise parce qu'ils n'ont pas le choix. Quoi. Ouais, le contexte fait que... Ouais, c'est intéressant du coup que tu vraiment t'aides ces gens à hypnotiser rapidement. Ah ouais, ils en ont besoin, quoi. Mmh, complètement. Parce que c'est autre... Ma montre a vibré. Bref. Ok, donc hypnotiser rapidement pour la santé, pour tous ceux de la santé, et auto-hypnose pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Alors ça, c'est une formation que je pousse moins. Ouais. Elle est un peu en automatique sur mon site. Les gens la prennent s'ils la veulent. Je les accompagne s'ils sont dedans. Mais voilà, en ce moment, je pousse surtout celle sur l'hypnose rapide. Je pense que je pense que tu le sais, hein, mais il vaut mieux se concentrer sur un truc en général. C'est ce qu'il y a de plus simple. Complètement. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour... Alors moi, à la base, je m'adresse vraiment aux débutants. Mais là, tu peux ouvrir des conseils pour... pour ceux qui débutent, je trouve que c'est toujours chouette d'avoir des conseils. Pour ceux qui débutent, quoi, l'hypnose, qui lancent leur cabinet, par exemple. Ouais, Moi, j'ai plus de thérapeutes dans mon réseau. Ok. Donc, qui sont thérapeutes, etc. Ouais, débutants, hypnose, qui viennent de se former ou former depuis un ou deux ans, tu vois. Alors, conseil global. Alors, je vais t'aider. Pour l'hypnose et un conseil pour développer, parce que tu as vraiment un côté entrepreneur hyper intéressant, pour développer son business en fait. Son cabinet, son business. Alors, côté hypnose, je dirais. Il y a un truc qui est hyper présent, je trouve, chez les thérapeutes, notamment chez les débutants, mais pas que. C'est une espèce de syndrome de l'imposteur, tu vois. Oui, je vois pas. C'est un truc de fou. Et en fait, le problème de syndrome de l'imposteur, c'est que ça va pousser beaucoup de thérapeutes à enchaîner une formation, deux formations, trois formations. Et en fait, ils vont se dire, ok, si je fais cette formation, après, ça ira. Je serai prêt à hypnotiser. Mmh. Et après la formation, ils ne sont toujours pas prêts. La compétence, c'est le truc le moins important. Ça peut vous paraître très bizarre, c'est important, mais c'est vraiment le truc le moins important. Ce que je dis toujours, c'est que l'aspect le plus important, c'est la confiance. On en revient à l'anecdote que j'ai racontée au début. Le gamin de 14 ans, il avait un truc que moi, j'avais perdu en apprenant l'hypnothérapie, enfin l'hypnose progressive ericksonienne, c'était la confiance. Lui, en fait, il s'en foutait. Dans sa tête, c'était le meilleur hypnotiseur du monde. Donc, quand il regardait un mec de 40 ans qui lui disait d'or, le mec, il tombait par terre. Quoi.
Parce que l'hypnose, faut pas oublier que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct. C'est instinctif quand on hypnotise. On utilise très peu la... En tout cas, il faut l'utiliser le moins possible, je trouve, le rationnel. Plus c'est instinctif, vu que c'est de l'ordre de l'humain, encore une fois, c'est des outils qui sont un peu ancrés en nous. Tout ce qui est empathie, tout ce qui est compétences sociales, etc., c'est un truc qui est un peu ancré en nous en tant qu'humain. On est fait pour communiquer. Eh bien, il faut rester dans cet ordre-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former, ça veut dire qu'on se forme et puis après on oublie, quoi. Puis ça reste, ça reste au fond de la mémoire et puis on le ressort à des moments, quoi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la confiance que tu vas dégager, la prestance que tu vas dégager quand tu hypnotises quelqu'un. Donc, concentrez-vous plutôt là-dessus. C'est ça qui va faire 80% des résultats, je pense, en termes d'hypnose. Maintenant, le deuxième point, c'était le séance silence, entrepreneuriat. Formez-vous en marketing. Vraiment, les thérapeutes en France, c'est un désastre. Arrêtez avec ces sites qui ressemblent à des sites des années 2000. Voilà. Faites des trucs jolis. C'est vraiment simple aujourd'hui de faire des trucs jolis. C'est rassurant pour tout le monde. N'ayez pas peur de vendre. J'ai l'impression que c'est très français, ça. C'est vrai. Très français, parce que les thérapeutes aux États-Unis, ils s'en foutent. On a un gros problème, le rapport à l'argent et à la vente quand tu es dans le bien-être. Il ne faut pas vendre des trucs. Tu profites de la souffrance de l'autre pour faire ta thune dessus. En fait, c'est ça. Vrai. Alors que maintenant, en fait, vous ne profitez pas de la souffrance de l'autre. Je pense que le monde a besoin de thérapeutes aujourd'hui. Et le problème, c'est que si vous avez un site dégueulasse, personne ne va venir dessus et les gens ne vont pas vous faire confiance, même si vous êtes super bon. Formez-vous en marketing, c'est important. Ça fait la différence, quoi. Et ça va rassurer des gens, ça va les pré-hypnotiser avant vos séances si c'est bien fait. Et c'est à ça que sert l'hypnose rapide, c'est ce que je dis toujours. Quand tu fais de l'hypnose rapide et que tu mets des démos, tu mets des mecs par terre sur ton site, vraiment, les mecs, ils font « j'achète », ils ont tout de suite, quoi. Ils font « c'est comme à la télé », ouais. Ils vont direct, quoi. C'est un truc marketing qui est, enfin, une preuve marketing qui est énorme. Ouais, ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. Important pour toi de faire du contenu, voire un contenu vidéo, enfin, de montrer par la preuve. Faut montrer. Ça va rassurer les gens tout de suite. Vraiment, alors quand on fait l'hypnose de rue, c'est encore mieux. Tu sors avec quelqu'un, alors tu vas dans la rue avec quelqu'un, tu mets un type par terre, tu l'hypnotises. Alors, on a tous un avis sur la mise au sol. Moi, je considère que c'est trop bien si la personne est d'accord, évidemment. Donc, j'ai des petites techniques pour savoir si elle est d'accord. Très souvent, les gens, ce qui est surprenant, très souvent, les gens sont hyper chauds pour aller au sol, même dans la rue. Et après, ça ramène du monde, ça ramène 100 personnes autour de toi. Tu distribues ta carte. Alors, tu ne peux pas le faire pendant que tu hypnotises, c'est pour ça qu'il faut y aller avec quelqu'un. Mais ça te fait une pub gratuite, instantanément. Donc, l'hypnose rapide, c'est un super moyen marketing. Carrément. Okay. Bref. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il faut avoir un beau site, on peut faire plein de choses. Donc, ça, on est d'accord. Important, le site internet, actuellement. C'est pas le plus important, on peut faire juste une page. Pas le plus, mais c'est important d'en avoir un. Il faut avoir une page de prédilection, je dirais, où les gens viennent. Ça peut même être un TikTok. Mais en tout cas, cette page-là, mettez tout dedans. C'est pour ça que d'ailleurs, le mieux, c'est peut-être juste d'avoir un Instagram, un bel Instagram, plutôt que de faire un gros site internet, etc. Ça requiert quand même pas mal de ressources de créer un site. Mm-hmm. Si vous faites juste un très bel Instagram que vous misez tout dessus, c'est déjà très bien. Ok. YouTube, c'est pas trop fait pour ça. Donc, soit Instagram, soit TikTok, mais à choisir vraiment Instagram, ça reste quand même plus joli. Ça fait un peu plus premium que TikTok. Ouais, j'avais entendu que c'était aussi pour passer des gens, enfin pour la vente, c'est meilleur que TikTok. Tu peux avoir des millions de vues, mais moins de ventes à la fin. Concrètement, ouais, c'est ça. Ok. Instagram, c'est quand même. Ok, donc faire du contenu, avoir confiance en soi, bosser la confiance en soi, important. Tu n'as pas confiance en toi, arrête. Quelle horreur. C'est trop nul, quoi. Mais oui, c'est ça. Mais c'est même pas forcément avoir confiance en soi, c'est au pire, si t'as pas confiance, tu fais semblant, quoi. Ouais. T'apprends à make faire it until you fake it. C'est ça. Fake it until you make it. C'est ça. Oui, je te fais des pièges. Tu suis. Tu m'as fait une rupture du pattern. On aura pas dans cette vidéo. Non, ça va. Voilà, quoi. Mais même si t'as pas confiance, tu fais semblant, ça fera le taf. Ouais. Faut juste que la confiance que tu dégages, quand quelqu'un te regarde, faut qu'il perçoive de la confiance. À l'intérieur, on s'en fout. Mais à l'extérieur, il faut que ce soit visible. Quoi. Ok. Et être dans l'action aussi, ce que je retiens, c'est... Ouais, itérer à fond, recommencer. Quand ça ne marche pas, prenez pas 10 jours à vous en rendre compte. Ça peut prendre parfois 5 minutes. Tu vois que ta vidéo ne marche pas, tu recommences le lendemain. Plus tu feras d'action et tu piocheras à droite à gauche, plus tu trouveras une voie sur laquelle
te greffer, on va dire. Et puis je trouve que plus tu fais d'action, plus aussi tu apprends que l'échec, c'est pas, tu vas pas en crever, quoi. Oui, c'est ça. C'est normal, c'est process. C'est évident. C'est, en fait, c'est même pas un échec, c'est juste de la récupération d'informations. Ok. C'est juste qu'après, toi, tu peux te raconter l'histoire que c'est un échec, mais en fait, à terme, c'est juste, ça devient tellement normal de rater des trucs, c'est même plus raté, quoi. C'est juste, j'ai testé ce truc-là, ça a pas fonctionné comme je voulais, je recommence. C'est juste vraiment une info, quoi. C'est pas sur cette voie que je dois aller, c'est sur celle-là. Et vu qu'en fait, on n'a pas de boussole, encore une fois, pour comprendre un truc qui marche ou pas, t'as pas le choix, en fait, de taper dans une direction, c'est pas ici. C'est comme si tu étais aveugle et qu'il y avait des murs partout autour de toi. Tu tapes un peu partout, quoi. Ouais. Ouais, j'aime bien. C'est carrément ça. En fait, on n'a pas un outil qui nous permet de comprendre ce truc-là. Donc, la seule solution, c'est de tâtonner, quoi. Ouais. Comme un aveugle. Je crois qu'on y passe vraiment tous. Hein. Qu'on relance, même si on recommence un nouveau truc. Ouais. Et encore une fois, les seules personnes que j'ai vues qui n'avaient pas ce truc-là, c'était des gens qui, en fait, dès le début, ils savaient. Je sais pas comment il avait l'intuition que c'était comme ça qu'il fallait faire. C'est peut-être du hasard d'ailleurs. Ouais. Peut-être que c'est que du hasard. Sur l'échantillon que j'ai eu, c'est quelques personnes. Ils comprenaient tout de suite quand une vidéo marchait. Ils comprenaient tout de suite que c'était là qu'ils devaient aller directement. Et du coup, ils ont fait un parcours sans faute, quoi. Comme s'ils étaient, avaient des yeux, en fait. D'accord. Comme eux, ils n'étaient pas aveugles. Ils n'étaient pas aveugles. Ils comprenaient tout de suite. Mais en fait, c'est là que je dois aller faire ça, etc. Ah, mais ça, c'est l'exception. Il y a du survivant, quoi. Oui, c'est ça. C'est peut-être que du biais du survivant. Ouais. Moi, je pense, pour les côtoyer quand même assez souvent, ils ont vraiment un truc. Ce que je veux dire dans biais du survivant, c'est que c'est les survivants du truc, quoi. C'est les deux sur 3000 qui font ça. Et autant se dire que t'es pas dans les deux. Voilà. Et que tu seras dans les 3000. Exactement. Parce que sinon, tu vas être fortement déçu très vite, en fait. Exactement. Puis après, là, on va se diriger dans un monde où il faudra apprendre à vivre avec cette espèce d'incertitude. Ouais. Et c'est comme ça, quoi. Plus le monde avance, j'ai l'impression, plus il devient incertain. C'est vrai. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître grâce aux intelligences ou à cause, on ne sait pas, aux intelligences artificielles. Ouais, qui vont se transformer, en tout cas. Il y a de grandes chances que les gens changent de métier tous les 10 ans, dans 10 ans. Ça me va bien. Ouais, je trouve ça stylé. Carrément, moi aussi. Mais il y a des gens où ça ne leur fait pas du tout. Changement, c'est terrifiant. Qu'est-ce que tu penses de l'IA, justement, dans nos métiers, que ce soit, moi je l'utilise énormément, que ce soit dans le marketing, dans l'hypnose, dans le coaching. Comment tu vois ça, toi? Alors, je trouve ça incroyable. Ouais. Je kiffe tout ce qui est techno, IA, etc. C'est un truc qui me... Je trouve ça assez fascinant. Quand j'étais plus jeune, je lisais des manifestes transhumanistes. Ok. Des mecs qui disaient que, ils disaient qu'il allait y avoir 4 révolutions futures, mais ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas quelle révolution allait commencer en premier. Je crois que la première, du coup, c'était l'intelligence artificielle. Mmh. Donc là, on y est, selon eux. Après, tu as la biotechnologie, donc le fait de modifier le génome humain, etc. Je ne les connais pas toutes par cœur, hein. Ensuite, t'as de la robotique, donc le fait d'avoir des robots domestiques, par exemple, qui vont nous aider dans les tâches quotidiennes. Et après, t'as... je ne sais plus. Je crois que la dernière, c'est le fait de pouvoir mélanger la technologie à l'humain. Ouais. Par exemple, s'implanter une puce dans le cerveau qui nous permet d'allonger notre mémoire, etc. Dans la biotechnologie, ce qui est intéressant, c'est que t'as le rajeunissement aussi cellulaire. Donc, on va peut-être, très certainement d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui vont dans ce sens, trouver dans quelques années des méthodes pour se rajeunir, quoi, pour rajeunir notre corps, inverser le processus de vieillissement. Et du coup, ils en parlaient, quoi, déjà à l'époque. Là-dedans, tu as aussi la viande artificielle, etc. Mmh. Ça, on y est. La viande artificielle, ils viennent de sortir des usines de viande artificielle aux États-Unis. C'est pas encore arrivé en France, mais... Dans 10 ans, comme d'hab. Comme d'hab. Mais, parce que alors, nous, on a plus de au niveau de la loi, c'est un peu plus régulé en Europe. Et... Donc, on verra plus tard. En fait, on attend de voir si les Américains meurent. Puis s'ils crèvent pas, c'est nos cobayes, en fait. C'est ça, exactement. On va se faire striker la vidéo. C'est clair. Et en fait, ça me fascinait. Donc là, je vois que le truc commence à arriver avec les IA. Donc moi, ça me rend fou, quoi. Ouais. J'ai l'impression de... roman de science-fiction, quoi. C'est un super assistant. C'est trop bien. Tu t'accélères un nombre de choses. Mais enfin, même pour les gens qui galèrent à faire des posts Facebook, à faire des machins, des trucs. Mais tu sais faire un prompt sur l'IA... Ça va tellement plus vite et créativement, ça développe la créativité à fond, quoi. Ça, en fait, j'ai pas l'impression que ça peut nous remplacer pour le moment, mais ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Mmh. C'est-à-dire que si vous apprenez à utiliser l'IA, peu importe votre métier,
Je pense que dans la plupart des métiers de la connaissance et de l'information, si ce n'est tous, l'IA, c'est un truc hyper important. Et je considère qu'hypnotiseur, c'est un métier de la connaissance et de l'information. Ça va vous faire aller beaucoup plus vite. Vraiment, je pense, je vais peut-être 30% plus vite à peu près depuis que j'utilise l'IA. Et c'est quand même énorme, 30% plus vite. Ah, tout le temps qui te reste pour faire autre chose. C'est ça, quoi. C'est... C'est lire, colossal. Voir des gens. Voilà. Ou juste aller plus vite. Ouais. Travailler plus, et du coup, j'ai encore plus vite. Ouais, ouais, si. Mais ouais, c'est trop bien, quoi. T'écris un mail, bah, tu l'écris plus vite. Tout est plus rapide, quoi. Ouais. Et surtout, en plus d'aller plus vite, ça te permet d'avoir des angles un petit peu différents. Par exemple, je sais pas, on est hypnotiseur, on peut dire, bah, écoute, t'es un expert en marketing, dis-moi là où je devrais taper sur mon site, là où il y a un besoin le plus important en hypnose, aujourd'hui en France, selon tes données, etc. Il va te sortir des trucs, bah peut-être qu'il y a un besoin à tel endroit, tu devrais tester ici, etc. Donc je pense que l'IA va permettre de réduire un peu le nombre d'itérations qu'on a à faire pour avoir un bon résultat. C'est un outil qui est trop cool, quoi. Ouais. Nous, on s'en était servi sur un spectacle de mon mari, tu vois, on avait demandé quelle idée hyper originale de spectacle t'aurais, et il te sort un truc où tu fais, bon, on va pas tout faire, mais par contre, tu peux piquer des trucs à droite, à gauche, commencer à créer ton propre truc. C'est, non, mais complètement. C'est vraiment passionnant. Tu peux faire vraiment ce que tu veux avec. Et puis, de toute façon, je pense qu'à un moment, ça va tellement prendre de place que si on se forme pas maintenant à ça, on va être dépassé. Ah, mais oui, évidemment. Il faut toujours se former. Il faut s'habituer à cette espèce de résistance horrible qu'apporte la nouveauté. Oui, c'est vrai que je crois que j'étais une des premières. Ouais, c'est de la merde. Ah, mais c'est... J'ai vite changé d'avis, tu vois. Mais tout le monde. Même, alors maintenant, moi, depuis TikTok, c'est bon, j'ai arrêté. Maintenant, j'ai compris. Dès qu'il y a un truc nouveau, je vais au moins le regarder, me poser la question, essayer de calculer tous les tenants, les aboutissants du truc. ChatGPT, quand c'est sorti, c'était un festival, quoi. Et en plus, c'est ouf, tous les 3 mois, ils te sortent une nouvelle. Incroyable. Et maintenant, le truc, tu peux lui parler. T'as vu qu'ils ont sorti, là, il n'y a pas longtemps, qu'ils avaient fini presque de faire les assistants. Artificiel, ah ouais, intelligent, ça genre, ouais. Ils sont, le but derrière, ils ont bien, ils sont bien avancés dessus. Exactement. Le but derrière ChatGPT, c'est vraiment de créer justement un double de toi-même, un truc qui te ressemble cognitivement en tout point et avec qui tu pourras, déléguer toutes les tâches les plus chiantes de ta vie, faire des réunions, écrire un truc, que t'as, des mails, newsletters, etc. Voilà. Tu pourras lui dire, bah, écoute, là j'ai une réunion à telle heure, tu peux la faire à ma place. Et puis, il pourra parler à ta place, il aura la même voix que toi, il pourra discuter avec les autres assistants, les personnes avec qui tu devais faire la réunion. Et à la fin, il fera un meilleur résultat que toi parce que ça t'aura fait chier de faire la réunion. Quoi. Et je pense que d'ici peut-être, même pas, j'ai envie de dire quelques années parce qu'en fait, on n'en sait rien, ça pourra hypnotiser des gens aussi bien, voire mieux que... T'as essayé ça ? De discuter avec lui en mode, tu sais, de lui mettre une personnalité d'hypnotiseur ou machin, un truc. Il est nul, hein. Ouais ? Il est nul. Hein. J'ai pas essayé encore. Il n'a pas assez d'empathie encore. Ah ouais. Ouais, il n'a pas assez d'empathie, il n'est pas assez bon. Ouais. C'est, encore une fois, on est quand même hyper bon. C'est quand même une de nos spécialités, les êtres humains, l'empathie. Pareil, il est aussi très nul en humour. Vraiment, lui. Il est décalé. Il comprend rien, l'humour. Je lui fais de l'humour, il ne comprend pas. Quoi. Parce qu'il y a des amis qui font. J'ai beaucoup d'amis qui font des pranks dans la rue, etc., qui font des blagues. Et ils essayent de trouver des idées avec ChatGPT, c'est abominable, ils ne comprennent rien. En fait, ils ne captent pas ce qui est drôle. ChatGPT 5, ça va être, à mon avis... On verra. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va comprendre les blagues. Mais en fait, c'est très, très... tout ce qui est... On ne se rend pas compte à quel point faire des blagues, l'empathie qui est en plus dedans, comprendre les émotions, c'est quand même quelque chose... Ou même, c'était marrant, les potins, les ragots, etc. C'est des trucs qui requièrent... Des connaissances et des connaissances sociales qui sont énormes. Il faut vraiment être un humain pour faire ça, quoi. Pour l'instant. Moi, je pense que c'est qu'une question de temps avant que ChatGPT nous dépasse là-dessus. Mais... Ouais, je pense aussi. Mais... C'est marrant parce que je regardais une conférence du mec de ChatGPT et de la nana, une des nanas haut placées, et qui dit, on leur demandait, pour vous, c'est quoi être un humain ? Qu'est-ce qui différencie l'humain de la machine ? Et la nana disait l'humour. Ouais, elle a répondu l'humour. Je sais plus ce que le mec a dit. Très bien. Bah pour le moment, en tout cas. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Je dis, en effet, savoir quand est-ce que tu places ta blague, mais en séance, c'est pareil. L'humour en séance, c'est incroyable, parce que ça peut débloquer en résistance, en hypnose, en machin. C'est, quand tu prends ça en mode tranquille, on rigole là-dessus. Non, carrément, c'est trop bien. C'est hyper agréable. T'as un style de thérapie. Le but, c'est de décomplexer un truc qui va être traumatisant en faisant des grosses blagues dessus, quoi.
trop bizarre. Provocative. Les thérapies provocatives. C'est en anglais, quoi. Provocative thérapie. Un peu bizarre. Bon, je ne recommanderais pas ça. J'y connais pas. J'y connais rien, ces thérapies. Je m'étais juste renseigné dessus. Mais... Ça, c'est marrant. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour. Carrément. Ouais. Est-ce que tu vois des. Voilà, déjà, tes actualités à toi, c'est les deux formations d'hypnose. Ouais. La reprise des vidéos bientôt. À peu près, ouais. Sur TikTok. On va dire. Bon, TikTok, de toute façon, elles sont sur Insta maintenant. Là, je suis en train de préparer des gros guides complets de trucs sur YouTube. Génial. Voilà, des gros en vidéo En vidéo. Genre des trucs de 40 minutes, 30 minutes. Ah, tu faisais, ouais, tu faisais des vidéos longues, toi J'en ai fait qu'une qui marche bien d'ailleurs. Donc là, je vais en refaire. Okay. J'aime bien en fait faire ça, c'est juste super long, quoi. Avec ChatGPT, ça va plus vite. Donc là, je vais faire des gros guides complets, tu vois, sur la pleine conscience, sur l'auto-hypnose, etc., sur YouTube. Ok. Je suis en train de bosser dessus, là. C'est très long. Bon, bah on te suivra là-dessus, alors. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Toi, c'est quoi tes actualités, peut-être ? Terminons avec les tiennes, aussi. C'était la formation tabac, il n'y a pas longtemps. Et pour apprendre à fumer ? Ouais. J'ai jamais réussi, donc tu vois, j'essaye aux autres, tu vois. Pendant au moins 2-3 ans, j'essayais de crapoter, je n'arrivais pas. Mais mes actualités, ouais, c'est les formations pour l'instant. Nous, on sort à peu près, on est sur modèle un peu Antoine BM, tu sais. Ouais, je vois, je connais. Donc, on a sur... J'ai fait ça à l'époque. Ouais, c'est intéressant. J'ai commencé comme ça. Bah, tu vois, c'est trop bien, ce truc-là, pour tester... Ouais, bah, c'est exactement ce qu'on fait. Tu testes et tu vois là... En fait, tu vois là où ça marche, mais c'est pas seulement où ça marche, parce que il y a plein de formations qui marchaient, mais j'avais pas envie de m'engouffrer là-dedans. En testant, je me suis rendu compte que j'aimais pas, en fait. Ouais. Mais il faut tester pour savoir ce que tu kiffes ou ce que tu kiffes pas. Hein. En fait, au bout d'un moment, tu vas trouver le bon équilibre entre ce que tu kiffes vraiment faire, ce que tu kiffes partager, et en plus, ce qui marche le mieux avec ton avatar client. C'est ça. Mais je crois que tu avais fait ça aussi, le high ticket, tu sais. Ouais, j'avais testé. Hein. J'ai fait ça pendant 2 ans, de l'accompagnement à étiquette, oui et non, à 2005, tu vois. Ouais. Et clairement, en fait, c'est un truc qui, au final, c'est épuisant. C'est épuisant, parce que tu donnes tout. Tu donnes tout pour ton client. Et pour pas grand-chose, au final. À la fin, t'es défoncé. C'est ça. Moi, en juin, j'ai fini éclaté. Ouais. C'est pour ça que je suis passée sur les formations plus. Ouais, je comprends. Donc, mais c'est ça, il faut tester. T'as l'impression que tu te viandes, que c'est de la merde ce que t'as fait. C'est pas grave, tu recommences autre chose. Bah ouais, même pas, tu te demandes pas vraiment, c'est juste que t'es... En fait, t'as récupéré une information. Ouais. C'est vraiment ça. Et ton information, bah, elle t'aura coûté de la fatigue, de l'argent, du temps, etc. C'est ça. Mais dis-toi que quand t'es à haut niveau, moi j'ai des potes entrepreneurs, quand ils font une erreur, bah, ça leur coûte Du temps, ça leur coûte 200 000 euros, tu vois. On n'est pas sur les mêmes... une erreur, ça... Alors, en fait, on a trop l'habitude de se dire, bah, une erreur, c'est rien, j'ai cassé un verre, je le ramasse. Bah non, en fait, plus t'avances dans ton truc, plus une erreur te coûte cher, te coûte en temps, te coûte en argent. C'est normal, en fait. Ouais. Et donc après, bon, plus t'augmentes, moins faut faire d'erreurs, faut essayer, en tout cas. Pour ça que c'est intéressant de passer toutes les strates, en fait, parce que... Mais tu feras forcément des erreurs qui coûteront forcément beaucoup d'argent et qui coûteront forcément beaucoup de temps. C'est obligatoire. Enfin... C'est très rare, les gens qui ne font pas ça, c'est très rare. Donc, autant se dire que c'est obligatoire. Tu t'es fait accompagner, toi, sur le marketing, l'apprentissage comme ça, tu sais, j'ai fait pas mal de formations là-dessus. Je suis fait un réseau, encore une fois. Dans mon réseau, j'avais beaucoup d'entrepreneurs. Mm. J'ai jamais fait une formation pure et tout. Mais tu vois, Antoine, j'ai pas mal de ses formations parce que je le connais bien, il me les a filées. Mais d'ailleurs, on vous les recommande, les formations. C'est que personne ne le connaît dans le... Antoine BM, très cool. Si vous voulez apprendre à faire du marketing, très sympa. Oui, très, très bien. Je dis, c'est aussi mon pote, c'est peut-être pour ça que je dis ça, mais... À la base, c'était pas mon pote. Non. Moi, j'ai plein de formations de lui, et c'est chouette. Et... En plus, il fait des promos tout le temps. Ouais. Donc, on peut largement avoir un contenu incroyable pour très peu cher. Non, clairement. Ça vaut le coup. Il est très, très bon dans ses... Très, très bon marketing, cet Antoine. Tout à fait. Et puis, c'est tout. Je sais plus ce que je disais. Là, tu disais que tu avais... Ben, t'as pas fait un truc formel, mais à force de côtoyer des gens. Très cool. Tout bon, merci. En fait, on a redigressé. Ouais, on est reparti sur le au revoir. On est reparti après. On est fort. Incroyable, très très fort. Ben, j'espère que ça t'aura plu, ce petit podcast. Écoute, oui. Parfait. Toi aussi ? Oui, c'était cool. Bon, parfait. Merci à toi. J'espère que cet épisode il vous aura plu. Alors, c'est rigolo parce que on l'a enregistré, je crois, peut-être courant octobre. J'ai mis du temps à le monter, ou alors tout début novembre, et en fait on est juste dans la période où on reparle encore de
l'hypnose de spectacle, Mesmer, à quel point, blabla, ça peut être négatif pour la thérapie. Et c'est vraiment un aspect qui ressort souvent chez les praticiens, entre guillemets, thérapeutes, qui se mettent un petit peu au-dessus du lot et qui voient l'hypnose de spectacle ou de rue comme quelque chose qui peut être uniquement dégradant ou uniquement mauvais, etc. Alors, il y en a. Je suis la première à hurler quand je vois des horreurs, mais il y a aussi des super trucs. Et puis, il y a aussi, ben, pour moi, ces gens, en fait, ils font une grosse partie de notre marketing. C'est grâce à eux que les gens connaissent l'hypnose. C'est grâce à des gens qui touchent des centaines de personnes ou des milliers de personnes que les gens connaissent l'hypnose et vont ensuite voir un hypnothérapeute en cabinet. Donc on n'a pas une dette, mais en tout cas, je crois qu'il y a une reconnaissance à avoir envers ces personnes. Et c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a une reconnaissance à avoir envers ces personnes qui font les spectacles, qui font de la rue, qui, etc. Et surtout aux personnes qui le font bien et de façon éthique. Donc encore une fois, merci à Im, c'était un très chouette podcast, une discussion presque entre potes. J'espère que ça vous a plu aussi et que vous avez pu y piocher des choses dedans, que ce soit dans le développement de votre cabinet, l'importance de vous montrer, de montrer l'hypnose, l'importance d'itérer à chaque fois, c'est-à-dire de faire une action et puis de la refaire, et pas s'arrêter sur « je le fais juste une fois ». Et puis les petits tips qui ont été donnés aussi pour valider un état d'hypnose, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.